Cet espace, oui, qui a été baptisé, oui, de cette manière, qui a été mouillé
Comme tu fais Godio, c'est du café baoulé. C'est ça. Le pasteur est un foyer. C'est ça. Votre église est un nid de renard. C'est ça. Vous êtes une bande de grenouilles. C'est ça. Vous n'êtes pas des chrétiens. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors repentez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont été baptisés pour le baptême de la restitution. Tous ceux qui sont maudits. C'est ça. Vous n'êtes pas chrétiens. C'est ça. Alléluia. Amen. La Bible déclare Éphésiens 4. Éphésiens 4 à 5. Il y a un seul baptême. C'est ça. Et ce baptême, il a commencé depuis les apôtres. C'est ça. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quelques assistants, plusieurs baptêmes. Chaque église a son baptême. Chaque pasteur a son baptême. Chaque prophète a son baptême. Sauf que menteur, ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes là pour reprendre la vérité. Pour que toutes ces personnes qui suivent ces propres pasteurs, ces propres prophètes, alléluia, vous savez comprendre que la vérité, alléluia, elle est prêchée quelque part. À pas le menteur, à bas, à pas le mensonge, à bas, et plus la vérité, vive la vérité, la vérité, vive la vérité, alléluia. En vérité, en vérité, vérité. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous êtes des païens. C'est ça. L'homme qui vous a baptisé, c'est un païen. C'est ça. Si vous mourrez dans ce baptême, vous n'irez pas au ciel. Jamais. Alléluia. Tous ceux qui ont été baptisés, précédés d'un coup de base, d'un coup de baptême, 2 mois, 3 mois, 6 mois avant d'être baptisés. Yes. En toute vérité, tu es un païen. Amen. Si tu mets dans ce baptême, tu n'iras pas au ciel. Nulle part dans les Écritures, il a été recommandé de faire un coup de baptême. Alléluia. Tous ceux qui ont été baptisés, précédés des catéchèses et catéchuménats, vous êtes des païens. Amen. Venez me montrer catéchèse dans les Écritures. Si tu n'es pas là, déplacé. Un guide religieux, brancher ça. Avant de faire le baptême, un guide religieux te soumet à des coups de base et à des coups de baptême, ce guide religieux, c'est un païen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À bas les écoles pastorales. À bas. À bas les instituts de théologie. À bas. Un pasteur qui a été formé dans une école d'institut de théologie avant de devenir pasteur, c'est un païen. Parce que cela n'a jamais existé dans les Écritures. Alors, comme le monsieur, il a eu son bac, il ne travaille pas, alors il est chez lui à la maison. Et on lui demande d'aller à l'école pastorale, d'où il y a véritablement des écoles et des instituts de théologie. Et on écrit année académie 2019-2020. Voilà, les gens vont s'inscrire, ils vont aller faire école, ils vont aller s'inscrire et apprendre, étudier Dieu. Pour devenir pasteur. Et là-bas, il y a possibilité d'échouer. Alors, pour éviter d'échouer, il est obligé lui-même de faire des business. C'est-à-dire qu'il doit payer de l'argent. Et quand il finit tout ça, il ne sort pas pasteur, mais il sort pasteur auxiliaire. Pasteur adjoint. Alors que ce mot-là, c'est au CAFOP. Instituteur adjoint. Et il y a des pasteurs régionaux. Régionaux, un pasteur régional. Lui, il est pasteur de cette région. Et on quitte là, il y a des pasteurs de district. Vous savez que c'est devenu affaire de maïs. Et il y a des pasteurs retraités. Ça veut dire que lui, il a travaillé et il y a un moment donné, il va à la retraite. Depuis que dans les Écritures, il a été dit qu'un pasteur allait à la retraite. Quand Abraham a servi Dieu, Abraham est mort dans le service. Moïse a servi Dieu. Moïse est mort dans le service. La fin du ministère de l'homme de Dieu, c'est la mort. Amen. Aussi longtemps que tu es vivant, tu dois servir Dieu. Mais s'il y a possibilité d'aller à la retraite, cela veut dire que c'est des fonctionnaires. C'est pourquoi tous ces pasteurs sont des païens. Un pasteur qui a fait le corps pastoral, c'est un païen. Un pasteur qui a fait les exercices de théologie, c'est un païen. Alléluia. Quoi le faux prophète? Qui veut mettre le nom? Quoi le faux prophète? Aujourd'hui, je serai qu'un prophète partout. Quand je possède. Alléluia. Quel est votre message? Quel est votre message? Il n'y a pas de message, les gars se réclament de prophètes. Et partout, nous voyons, dans chaque quartier,
dans chaque commune. Alors les prophètes poussent comme des champignons. Finir, c'est dangereux. Avant que tous ces prophètes sont des envoyés du diable. Les activités tous ces prophètes sont des envoyés du diable. Si un prophète ici, c'est un voyou. Alléluia. Vous, alléluia. On va adresser un mot au public. Une façon de planter des victoires. Nous avons le moment de poser les questions. Après le baptême de bébé, une église dans laquelle on baptise le bébé, vous êtes qui a été suscité par le diable. Mais regardez vous-même, dans le livre de Marc 16, à partir de 15 à 16, le Seigneur déclare, allez voir tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, celui qui sera baptisé, sera sauvé. Le test est clair. Le test nous dit celui qui croira. Mais est-ce qu'un bébé de 6 mois, un bébé de 1 an, peut-il croire l'évangile pour qu'il puisse être baptisé? Alors, une église dans laquelle on baptise un bébé, cette église-là, c'est le diable qui règne. Alléluia. Toi qui es là, si tu as été baptisé étant bébé, mon ami, c'est par amour qu'il te parle. Sinon, tu meurs ce baptême tout à l'heure. Tu n'iras pas au ciel. Alléluia. 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 Après le ministère de la femme. Après le maman pasteur. Maman prêtresse. Maman évangéliste. Maman docteur. Mais vous les femmes, demandez à Dieu pourquoi si vous a créé. Est-ce que Dieu a créé la femme pour aller prêcher l'évangile? Quand vous prenez les écritures, est-ce que Dieu a créé la femme pour aller prêcher l'évangile? Dieu a créé la femme pour un seul but. Alléluia. Dieu a créé la femme. Vous savez, son mari et son bureau, c'est la cuisine. Alléluia. Une femme qui va se tromper. Une femme qui va se tromper et qui va te dire, mon frère, donne ta vie à Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. C'est une païenne. C'est un envoi du diable. La femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Celui qui conteste, alors tu as le droit de poser des questions. Et nous autorisons ici les questions et réponses. Alors si tu n'es pas encore sur une déclaration, mon ami, prends ton courage et viens ici exposer véritablement ta doctrine. Alléluia. Après les mamans pasteurs. Parce que les femmes ont fui le foyer. On les voit partout dans les coins de rue. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Mais est-ce que c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui t'a engagé dans cette voie? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus qui t'a dit d'aller prêcher? Alors une église dans laquelle il y a les mamans pasteurs, toi qui es là, tu es assis là-bas là, dis-toi que actuellement là, tu es assis en enfer. Parce que si tu meurs là, tu descends tout droit en enfer. Alléluia. Il n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Alléluia. Tu n'es pas d'accord, tu peux poser des questions. Alléluia. On va la dénoncer. Vas-y. À part le parler à langue de Cabri. À part le parler à langue de Cabri. Ça, c'est l'imitation de Cabri. Harry, 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 mais mon ami, est-ce que tu parles? Question. Tous ceux qui ont fait le village, ils savent très bien que quand le Cabri, il est derrière sa femme, c'est comme ça le Cabri parle. Ça, c'est l'imitation de Cabri. Dans ces églises-là, mon ami, tu es là-bas, tu es envoûté. C'est ça. Une église dans laquelle le palais se passe comme ça, mon ami, vous n'êtes pas dans la vérité. C'est ça. Si vous mourrez tous là-bas, vous irez tout droit en enfer. Il y a le véritable palais en l'air que nous connaissons. Amen. Mais ce qui se passe dans ces églises, c'est le palais en l'air. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous passez dans ces églises, on dirait des privés de Koutoukou. Et il y a d'autres mecs qui suivent. De véritables serpents. Vous êtes animés par l'esprit de vos arrière-parents. C'est ça. Alléluia. À part le palala de Cabri. À part l'imitation de Cabri. Tous ceux qui parlent comme ça, vous n'êtes pas sauvés. Répentez-vous. Parce que vous mourrez dans ces églises, vous n'irez pas au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela, taillé, Satan te taille. Satan te lit. Satan te consume. Écrasé et il chante, écrasé, écrasé, Satan écrasé. Mais mon ami, faites un bilan quand on travaille. Depuis le commencement de l'église, vous écrasez Satan. Et si on l'écrasait, on le brûlait, toi
que là, si on te brûle aujourd'hui, tu ne vas pas survivre. Confusion. Mais au moment où il est tenté de brûler Satan, et derrière là-bas, il y a une qui tombe là-bas. Mais qui agit celle qui tombe là-bas? Alors que tu es en train de le brûler ici. Ça veut dire que vous faites un travail en vain. Et ils sont fiers dedans. Sa tête te taille. Et voilà ta position. Sa tête te taille. Sa tête te taille. Alors que tu ne le vois pas. Il est où? Est-ce que tu l'as localisé? Toi-même, ton ami, tu as parlé avec lui, tu le localises avant d'envoyer des coups de poing. Maintenant, tu ne l'as pas localisé dans le vide. Toi, tu l'as un coup dans le vide. Et tu es là, sa tête te taille. Sa tête te taille. Maintenant, si sa tête est derrière toi, tu as un coup de poing. Voilà pourquoi il y a des gens qui taillent Satan et un coup le voit, il tombe brouillard. Ça veut dire que Satan était derrière, il a donné un coup fatal. Et il a pris son. Alléluia. Alléluia. Satan n'a jamais été ennemi de Dieu. Jamais. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Jamais. Mais Satan, le pauvre petit de Dieu, il est fidèle dans son service que faut-il du religieux. Alléluia. C'est Dieu qui envoie Satan en mission. Et Satan vient opérer sur le terrain. Quand il finit, il retourne. Alors vers Dieu. Dis-nous. Et il prend sa récompense. Alléluia. Un pasteur qui dit que Satan est ennemi de Dieu, ce pasteur c'est un païen. Alléluia. Satan n'a jamais été ennemi de Dieu. Alléluia. Arrêtez de combattre Satan. Alléluia. On acclame le Seigneur. Se connaît. À bas le christianisme céleste. Un christianisme céleste est un païen. Le christianisme n'est pas céleste. Mais c'est sur la terre que le Seigneur Jésus-Christ a prêché l'évangile. Et allez-y, Dieu, christianisme céleste, de porter chaussures. Parce que les cabris portent sabots. Comment des êtres humains créés à l'image de Dieu peuvent se promener pieds plats? Les juifs vont marcher sur fil de courant.
Quand il sera électrocuté, ils vont connaître l'important des chaussures. Un christianisme céleste, c'est un païen. Ils portent des robes de nuit comme des femmes qui vont au lit pour aller célébrer leur nuit de miel. Ce sont des païens. Abat les totems. Un chrétien ne doit pas avoir de totems. Et ils ont choisi jusqu'à ce que la viande de porc qui ne mange pas. Porc qui est doux comme ça là. La viande de porc, à 16 heures, viande de porc au bout. À 16 heures, porc au fou avec du bon vin. Tu as bu là, tu vas bien transpirer. C'est ça, ils ont trouvé pour dire qu'on ne mange pas porc. Parce que pour eux, quand Jésus a chassé la demande d'Israël, il les a mis dans un groupe de porc. Mais est-ce que ces porcs sont arrivés à Côte d'Ivoire? Alléluia! Ces porcs ne sont pas arrivés en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont totem et qui disent qu'ils sont croyants, vous êtes des féticheurs de plâtrés. Le chrétien n'a pas de totem. Le totem du chrétien, c'est de prêcher de fausses doctrines. Alléluia! Un pasteur qui enseigne que la boisson est un péché, c'est un pasteur du diable. Vive le bon vin! Vive le bon vin! La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit de l'alcool, qui est ivre même dans la dose de l'alcool, s'il arrivait que dans sa dose, il va aller chez femme toutou. S'il meurt là-bas, il va au ciel. Alléluia! Écoutez, vos pasteurs vous disent que la boisson est péché, mais chaque matin dans leur poubelle, il y a le gâteau vide et la bouteille vide de l'alcool. La nuit, là, c'est la mère sorcière qui vient boire ça. La boisson n'est pas un péché. Un chrétien qui boit ne pêche pas. Ce qui est condamné dans la Bible, là, c'est l'excès. L'excès en toutes choses, ce n'est pas boisson seulement. Même l'excès même de manger doit nuire. Alors si la boisson est un péché, c'est que la nourriture aussi est un péché. Un chrétien ne perd pas le salut. Un chrétien qui meurt dans n'importe quel péché, il va au ciel. Que je suis avant de mourir. Un cabri qui tombe dans la boue, tu le prends, tu le laves avec l'acide chlorhydrique et tu lui mets une soutane blanche d'un cristallin céleste. Ce cabri ne peut jamais devenir mouton. Mais le mouton qui meurt dans la boue étant sale, c'est le cadavre d'un mouton qui est là. Quel que soit l'endroit où met le chrétien, il est toujours un chrétien. Mais un baptiste, Force Square, USO, Christianie Céleste, Adema, Demaba, Miepe, Mieta, Témoin de Jéhovah, Assemblée de Dieu, par rectification, Assemblée des démons, qui meurt dans des jeunes de prières de 30 jours, 30 nuits, ils vont en enfer. Parce qu'il n'est pas un chrétien. Pour aller au ciel, il faut être un chrétien. Et les véritables chrétiens ici en Côte d'Ivoire, vous les entendez maintenant. Amen. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire sont une bande de païens. Il n'y a plus de travail, ils sont allés pour chercher de quoi faire. Et ils ont salaire par mois. La parole de Dieu n'est plus prêchée. C'est maintenant comment faire pour remplir leur ventre. Tous ces pasteurs-là, leur ventre pousse comme pour un agouti qui cuit fraîchement un champ de manioc. Les fidèles maigrissent. Je suis le seul pasteur en Côte d'Ivoire qui suis mince. Tous vos pasteurs, regardez leur ventre, quand ils marchent, et dit aux fidèles, je n'ai prié. Le berger qui doit, je n'ai prié pour sa brebis, lui grossit. Et la brebis maigrit. Vous, pasteurs de Côte d'Ivoire, vous êtes des pasteurs du diable. Je vous invite ici à l'examination de la parole de Dieu. À l'examen plutôt de la parole de Dieu. On va voir si ce que vous prêchez est la vérité de Dieu. Alors, nous allons passer à la fin des questions et réponses. Mais bien avant cela, je tiens à recadrer quelque chose. Que les gens racontent ça et là. Aujourd'hui, les gens racontent partout qu'ils sont panafricains. Qu'en tant que panafricain, la Bible est l'instrument de la colonisation. La Bible est un instrument de colonisation. Et que les colons ont envoyé la Bible pour coloniser nos parents. Je dis que ce n'est pas vrai. La Bible n'a jamais été un instrument de colonisation. Quand les colons venaient pour demander un miroir, donner un miroir à nos aïeux pour vendre tout le village, est-ce que c'est la Bible qui a dit de faire cela? Lorsqu'un homme est tranquille en paix, dans son fauteuil, un autre prend un fusil pour venir tirer sur lui, pour le chasser, est-ce que c'est la Bible qui a dit de faire cela? Quand tu vois ton frère en train de faire un commerce, et toi tu quittes là-bas,
état rempli de jalousie. Tu viens faire le même commerce dans le but, non pas pour que toi tu réussisses, mais pour gâter ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est la Bible qui a dit cela? Il voit dire que l'Afrique est un continent maudit. L'Afrique n'est pas maudit, mais c'est l'Africain qui est maudit. Parce que les mentalités, les consciences, les pensées, les idées qui animent les uns les autres ne sont pas bien, ne sont pas saines. Parce que c'est le diable qui les agite. Ce n'est pas la Bible qui leur a donné de faire cela. Mais c'est l'homme noir lui-même qui, dans sa conscience, est esclave de sa méchanceté, de sa jalousie, de son aigreur, est devenu ton propre ennemi. L'instrument qui détruit le noir lui-même et l'Afrique, c'est le noir lui-même. C'est l'Africain lui-même. Ce n'est pas la Bible. La Bible est claire. Et d'ailleurs, aussi longtemps que vous, Africains, dans ce que vous allez faire, dans les luttes, les combats que vous allez mener, aussi longtemps que vous allez capter la parole de Dieu, vous serez toujours vaincu. Parce que celui qui doit réussir dans ce qu'il fait, il doit placer sa foi en l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Aussi longtemps que vous ne baptisez pas sur lui, ce que vous faites là-bas se couler. Regardez Israël. Dans sa folie, quand Israël abandonne Dieu, ses problèmes, ses difficultés deviennent nombreuses. Mais quand Israël se tourne vers Dieu, Dieu lui accorde la grâce. Israël a la victoire sur ses ennemis. Aussi longtemps que l'Africain ne réalisera pas qu'il est son propre malheur, qu'il est esclave de sa propre conscience, et va toujours penser que c'est l'Occident, c'est le colon qui le réduit au néant de l'esclavage, la souffrance de l'Africain va continuer. L'affranchissement véritable, la liberté, l'indépendance véritable de tout bon Africain doit partir d'abord de sa propre conscience. Aussi longtemps que nous serons jaloux, aigris les uns contre les autres, manifester de la haine les uns contre les autres, notre indépendance, notre liberté ne sera pas possible. Laissez les blancs tranquilles, laissez les colons tranquilles, parce que si vous voulez les combattre, soyez courageux. Ne parlez plus leur langue. Ne portez plus les habits qu'ils portent. Ne montez plus dans leurs voitures. Alléluia. Ne portez plus les habits qu'ils ont fabriqués. On ne peut pas mener un combat à moitié. Ce n'est pas l'homme blanc qui est mauvais. Mais c'est l'esprit qui est dans le noir qui est mauvais. Et les mêmes esprits mauvais qui sont en eux, quand ils viennent en Afrique ici, ils trouvent leurs propres amis qui sont mauvais aussi. Et c'est ensemble qu'ils sèment le bordel. Ce n'est pas l'homme noir, ce n'est pas la terre africaine, ce n'est pas l'homme blanc qui est mauvais, mais ce sont les mentalités qui sont mauvaises. Aussi longtemps qu'ils ne seront pas affranchis de l'esclavage, de la haine, de la méchanceté dans lesquelles nous sommes tenus captifs, dans nos consciences, nos mentalités, la libération de l'Afrique ne sera pas pour aujourd'hui, ni encore demain. Alors, le combat que nous menons n'est pas un combat physique. Notre guerre n'a rien à voir avec la chair et le sang. Notre combat, notre lutte n'a rien à voir avec la chair et le sang. Mais c'est un combat spirituel. Nous prenons la révolution chrétienne. Cette révolution est faite sans fusil, sans gaz lacrymogène. Mais c'est une révolution verbale. La doctrine authentique de Christ, le christianisme pur, tel que prêché par le Seigneur Jésus-Christ, légué à nos pères les apôtres, c'est ce même message que nous prêchons. Et nous exhortons tout le monde entier à prêter attention, parce que le jugement dernier de l'humanité tout entière va être basé sur ce que nous prêchons maintenant. Celui qui ne croit pas à ce message et qui se livre à un autre combat, à une autre lutte, tu meurs, tu vas aller en enfer. Dieu bénit sa parole. Alors nous allons passer à la phase des questions et réponses. C'est la partie la plus intéressante. Questions et réponses. La question porte sur trois volets. La question porte sur trois volets. Premièrement, je voudrais savoir. Je dis que ma question porte sur trois volets. Premièrement, je voulais savoir, tout à l'heure, quand ils intervenaient, ils ont parlé d'Assemblée de Dieu, témoin de Jéhovah et autres. Je voulais savoir à quelle communauté nous avons affaire. Et qui nous donne le sens, selon la parole, selon les écrits, hein, le nom de leur communauté. Deuxièmement, il s'agit de baptême. Selon vous et selon les écritures, quel est le vrai baptême? Troisièmement, il s'agit de l'homme qui va avec deux, trois femmes. Pourquoi, selon vous et selon les Écritures, un homme qui a deux femmes qui est polygame est béni de Dieu, selon les Écritures? Dieu vous bénisse. Amen. Ce sont des questions intelligentes qui ont besoin de réponses intelligentes. Je tiens à souligner ceci. Que
Mais quand nous disons bas les baptistes, à bas les catholiques assemblés de Dieu, nous ne disons pas à bas parce que ces communautés portent des noms. Mais c'est la doctrine qui est dispensée qui est le problème. Quand nous disons que les pasteurs de Côte d'Ivoire sont des faux types, ce n'est pas parce qu'ils boivent beaucoup ou qu'ils cherchent beaucoup de femmes, mais c'est la doctrine qui prêche, qui n'est pas la vérité. Ce n'est pas à cause des noms que portent les communautés qu'elles sont fusillées actuellement, mais c'est à cause des doctrines qu'elles prêchent. Sinon, dans la Bible, il n'y a pas nos noms d'église. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont le Saint-Esprit. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux en qui le Christ habite. L'église, c'est ceux qui possèdent l'immortalité. C'est ceux-là qui sont appelés église grâce. Maintenant, ceux-là peuvent se rassembler dans un endroit. Ça peut être une salle de classe. Quant à nous, notre lieu de prière, c'est ministère Zobel Agodio. Amen. Ministère Zobel Agodio. Amen. C'est notre lieu de prière. Amen. Notre lieu de rassemblement. Celui qui veut, il n'a qu'à mettre même sur son lieu de prière ce jour de mort. Pourvu que tu enseignes la doctrine authentique du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible est claire. Car la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous ne croyons pas par la vue, mais par la foi. Ce ne sont pas les noms des communautés qui sauvent. Mais c'est ce qui est enseigné à l'intérieur de ces communautés qui est le plus important. Amen. Alors, seconde question. Il avait demandé le vrai baptême. Le véritable baptême, selon les Écritures, doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 9 à 12. Colossiens 3, le verset 17. Et Actes chapitre 2, le verset 37 à 42. On va lire rapidement ces trois passages pour passer à autre chose. Parce que beaucoup de choses dans le ventre. Le monde est plongé dans le chaos. La catastrophe économique, la catastrophe est politique, la catastrophe religieuse. Aujourd'hui, il faut que l'évangile authentique soit prêché. Amen. Vas-y, frère. Éphésiens 4. Éphésiens 4. 9 à 12. 9 à 12. Oh, que signifie la montée? Oh, que signifie la montée? Sinon qu'il a aussi descendu. Sinon qu'il a aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu là. C'est le même. C'est le même. Qui est monté au-dessus de tous les cieux. Qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Évangélistes. Les autres comme pasteurs, docteurs. Donc ceux-là, ils doivent travailler. Et le travail qu'il doit faire, c'est d'amener les âmes à Christ. Mais ces âmes-là doivent passer par les eaux du baptême. Et vous posez la question, c'est quel baptême qui est le véritable? Le même chapitre, verset 4 à 6. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et aussi un seul esprit. Et aussi un seul esprit. Comment vous avez été appelé? Comment vous avez été appelé? À une seule espérance. Par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul il n'y a pas de baptême. Toi qui es là cet après-midi, si tu n'as pas encore reçu ce seul baptême, ton enfer est clair. Alors nous sommes là pour te sauver du jugement éternel. En croyant en Jésus-Christ pour recevoir ce vrai baptême. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez. Et quoi que vous fassiez. En parole. En parole. Ou en œuvre. Faites tout. La Bible dit quoi? Faites tout. Faites tout. Au nom du Seigneur Jésus. En baptisant, on doit prononcer le nom. Et le baptême est un acte qu'on pose aussi. Amen. Sur le croyant. Et la Bible dit tout doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Confirmation biblique, comment le premier baptême chrétien a été fait. Acte 2, 37 à 42. Oui. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu le discours. Il fut le corps vivement touché. Simon Pierre a prêché l'évangile ce jour-là. Et les gens étaient touchés. Ils ont agi comme vous êtes en train d'agir. Ils ont posé la question. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Quelle est la vérité qu'on doit suivre? La réponse de Simon Pierre. Et il dit la pierre aux autres apôtres. Oui. Homme frère. Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pierre l'a dit. Répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous. Soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Le baptême chrétien doit être fait au nom du Seigneur. Amen. Voici qui est clair, sans commentaire. Un pasteur qui ne fait pas ça, c'est un produit fini de l'enfer ambulant. C'est un citoyen de l'enfer en sursis. Il meurt là. Il ne doit même pas compter sur Dieu. Il ne verra pas le Seigneur Jésus, mais il va trouver Jean-Paul II. Il va retrouver, comme il s'appelle là, Hitler, en enfer là-bas. Ils vont tous trouver là-bas Judas Iscariote avec Caïn. C'est leur père, ancêtre qui est là. Oui, frère. Alors voici la réponse à cette deuxième question. La troisième question, la polygamie. Les pasteurs disent qu'un chrétien n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Que si tu as beaucoup de femmes, tu as commis un péché.
Si tu as plusieurs femmes, tu as commis un péché. Mais est-ce que dans la Bible, là, avoir beaucoup de femmes est un péché? Est-ce que dans les Écritures, la polygamie est un péché? Est-ce que dans la Bible, la parole de Dieu, avoir plusieurs femmes, est-ce que c'est un péché? Regardez ce que la Bible dit. Dans les Saintes Écritures au sujet du patriarche Abraham. Genèse 25. Genèse 25. Quand les gens prient matin, midi, soir, ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Isaac, ô Dieu de Jacob. Ce qui est écrit. Genèse 25. Genèse 25. 1 à 6. 1 à 6. Abraham prie encore. Abraham prie encore. Une femme nommée Keturah. Quand la Bible dit encore, ça veut dire qu'il répète le même acte. Vous comprenez? La femme qu'Abraham avait au départ, elle s'appelait Sarai. Après sa mort, mais avant sa mort, déjà Abraham avait enceinté sa bonne. Amen. Abraham a enceinté sa bonne qui s'appelait Agar. Ils ont fait un enfant qui s'appelle Ismaël. Ce n'est pas de lui que nous parlons. Mais Abraham prie encore une femme nommée Keturah. Oui. Une femme nommée Keturah. Continue encore. Abraham fit des dons. Abraham fit des dons. Au fils de ses concubines. Au fils de ses concubines. Abraham avait des femmes et il avait aussi des concubines. Ça, c'est le cas d'Abraham. Maintenant, voyons aussi le cas de Salomon. On va aller rapidement pour ne pas traîner le pas. Parce que cette affaire de femme était devenue une coutume pour les Juifs. Un héritage de père en fils, de arrière-grand-père à père et à petit-fils. Un roi 11. Un roi 11 premier du quoi? Le roi Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Outre la fille de Pharaon. Outre la fille de Pharaon. Samson, serviteur de Dieu. Lui qui servait le Dieu d'Israël, lui qui était connu en tant que tel, Samson, l'homme dont la sagesse n'est pas égalée dans ce monde, surtout en ce temps, Salomon plutôt. Sa sagesse était incomparable en ce temps. Mais ce Salomon-là, il aimait beaucoup de femmes. Il y a des gens qui disent aux hommes que mais toi là, tu aimes trop femmes. Tu voulais qu'il aime quoi, Cabri? Ou bien tu veux qu'il aime son camarade garçon? Abat les homosexuels! Abat! Abat les homosexuels. Abat. Tous les pasteurs homosexuels sont des maudits. Un homme qui prend le micro à la chair, il prêche au peuple, et c'est lui-même qui est un homosexuel. Il est maudit que la malédiction elle-même. Satan même a peur de lui. L'homosexualité vient du diable. Ça vient de Satan. Mais la polygamie est une bonne chose. Amen. Un garçon qui a beaucoup de femmes, Dieu te bénisse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme naît, un homme naît plutôt, il y a quatre femmes qui naissent. Si l'homme doit prendre une seule femme, les autres, là, qui va s'occuper d'elle? Un pasteur qui est contre la polygamie, c'est lui qui est la base de la débauche, la prostitution des filles de la société. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Salomon qui a compris la chose, vous dites, par exemple, les gens vont dire cela que, mais dans votre église là, vous permettez la polygamie, vous encouragez la polygamie, mais regardez ce qui va se passer. Est-ce que Salomon est de notre église? Non. Est-ce qu'Abraham est de notre église? Question. Lisons le cas de Salomon. Oui. 700 princesses pour femmes. Ah, Salomon a eu 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Et 300 concubines. Le tout fait combien? Le décor jamais égalé. Qui peut faire ça en Côte d'Ivoire ici là? Vous tous qui êtes chargés de coco, des hémorroïdaires, à peine même vos moteurs d'école. Vous allez faire comment? Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui pense. Un homme qui doit avoir beaucoup de femmes, c'est que tu es sûr de la puissance fiscale de ton moteur. C'est que c'est turbo que tu as. Mais tu as un moteur. Avant que ça ne débat, on doit pousser d'abord. Tu vas aller chercher 3-4 femmes. C'est que ce sont tes voisins-là qui vont faire le travail à ta place. Et en faisant le travail à ta place, ils ne pêchent pas, Dieu va les bénir. Parce que tu es un incompétent qui s'est accaparé des biens qui ne t'appartiennent pas. Alléluia. Alors Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est fort. Alors Salomon qui a compris la chose. Il avait 700 femmes, 300 concubines. Amen. Et le tout formait 1000. Chaque nuit, Salomon, avec sa bouteille de racines, Salomon avec sa bouteille de raptine, liqueur là-dessus, il monte, il descend. Il boit un verre de vin ici, il frappe là-bas, il finit encore, il s'en va dans un autre coin. Dans l'année, il y a 365 jours. Je me demande même s'il se repose. Dieu bénisse Salomon. Amen. Si en Côte d'Ivoire, si on a des Salomon, beaucoup de femmes vont quitter le chômage. C'est ça. Quelle que soit l'intellectualité,
les diplômes, la richesse d'une femme, si elle n'a pas d'un foyer, elle n'a pas de valeur. Tout le monde peut l'appeler dans la rue. Ésaïe chapitre 4, à partir de verset 1 à 2. La polygamie vient de Dieu. C'est une très bonne chose. Amen. Ésaïe 4, 1 à 2. Ésaïe 4, 1 à 2. Et cette femme, c'est une prophétie venue de l'écriture. Est-ce que c'est moi qui ai dit à Dieu de prophétiser cette parole? Non, vous encouragez la polygamie. Vous excitez les gens à voir beaucoup de femmes. Mais regardez la prophétie venue d'Ésaïe. Or, si vous ne croyez pas qu'Ésaïe soit un véritable prophète de Dieu, ne croyez pas aussi à Emmanuel. Parce que c'est Ésaïe qui a prophétisé la naissance d'Emmanuel. C'est lui qui l'a prophétisé. C'est Ésaïe qui a dit aussi qu'il est le commencement et la fin. Alléluia. Amen. Regardez maintenant, Ésaïe dit quoi? Et cette femme. Saisiront ce jour-là. Cette femme saisira ce jour-là. Un seul homme. Un seul homme. Et diront. Nous mangerons notre pain. On est riche, on a les moyens déjà. C'est ça. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement. La seule chose qu'on te demande, oh. Fais-nous seulement. Joli garçon au moteur diesel. Fais-nous seulement. Oh, garçon pimpant. Fais-nous seulement. Toi dont les reins sont solides que les jeux de reins de Ramatoulaye. Fais-nous seulement. Fais-nous seulement. Porter ton nom. Fais-nous seulement porter. Enlève. Notre propre. Parce qu'elle a été déviagée, elle n'est plus dans un foyer. Là, tout le monde va faire. Oh, désormais, quand elle porte le nom d'un individu, on va l'appeler Madame Ouattara. Claire. Alors, le problème est ôté. Vous voulez que je dise quel nom? Dieu vous bénisse. Amen. Alors, chers frères, voilà un peu ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Même dans le Nouveau Testament, la polygamie existe aussi. Lisons un passage pour le témoignage de ces deux cas-là. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens 5, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 5, 1 à 2. Ici, le fait que je vais mettre en évidence n'a rien à voir avec le mauvais comportement qu'ils ont eu. C'est ça. Tous ceux qui ont des questions, vous pouvez mettre votre nom. Nous ne refusons pas les questions. Oui, frère. On attend dit généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Ça dit chercher forme en désordre. Mais ça n'est pas à conseiller. Oui. C'est au point que. L'un de vous a la femme de son père. À l'église de Colette, là, il y a quelqu'un qui a pris la femme de son père. Oh, la femme de son père, ce n'est pas sa propre mère. Ça veut dire que son père, là, elle le vit aller. Après avoir fait enfant avec cette dame-là, Gafson est devenu grand. Et le vieux allait prendre une jeune fille de 25 ans. C'est cette dernière-là que le jeune frère a récupéré. Il dit, vieux, on a tout accepté, mais ça là, c'est pas ta génération. Donc je suis sûr que sur cette grossesse-là, il y a eu palabre là-bas. Il ne sait pas si c'est son fils ou bien son frère. Parce que l'enfant risque d'être le petit-fils, il risque aussi d'être le petit frère. Donc il y a débat. Alors Paul vient pour condamner l'acte d'avoir pris la femme de son père. Seulement, son père même là. L'Écriture n'a pas dit qu'il a commis un péché. En prenant notre femme que la mère de ce dernier-là. Amen. Maintenant, si un homme a deux ou trois femmes, est-ce qu'il est obligé de les aimer de la même façon? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais si tu as beaucoup de femmes, est-ce que tu peux les aimer de la même manière? Ah bon? Est-ce que le bon Dieu qui nous a créés nous aime de la même façon? Question! Est-ce que Dieu nous aime de la même façon? Question! Il y a des gens depuis son, ils n'ont jamais vu le soleil. C'est Dieu qui les a créés comme ça. Il y a d'autres aussi, ils voient bien. Il y a les gens, quand ils sont là, ils ne savent même pas où se quitte le vent. Ils ne savent pas les gens qui courent, quittent où. Mais toi, tu le sais. Il y a d'autres qui ont une taille bien relâchée. Il y a les gens aussi qui sont comme ça. Chacun est fier de ce que Dieu a fait de lui. Amen. Mais Dieu, dans ses œuvres, il est parfait, il n'est pas injuste. Ainsi, celui qui n'aime pas les mêmes femmes, les femmes qu'il a de la même façon, ne pêche pas. Deutéronome 21 dit quoi? Deutéronome 21, 15 à 19. Il faut faire justice maintenant. Si un homme. Il y a deux femmes. Si un homme qui a deux femmes. Aime l'une. Si un homme qui a deux femmes. Aime l'une. Non. Elle n'aime pas l'autre. S'il vous plaît, laissez-le. Si un homme qui a deux femmes. La Bible même a réglementé la chose. La Bible a mis fin déjà au débat. C'est nous les Africains, on souffre là. C'est nous qui allons changer sur terre ce qui n'est pas pour nous. Dieu a dit que pour Yahweh n'est pas mauvaise. Vous dites, il y a d'autres qui disent que mais si tu as beaucoup de femmes, est-ce que tu ne vas pas devenir pauvre? Est-ce que tu ne vas pas avoir de problème? Mais il y a les gens même qui ne sont pas mariés mais dorment au salon.
Qui vous a dit que c'est la polygamie qui est facteur de la pauvreté? Il y a les jeunes qui ne sont pas mariés, ils dorment sur le banc. Ils dorment dans les rues. Ils ne sont même pas mariés. Il y a des jeunes qui ont eu une seule femme, mais leur maison est une véritable salle de boxing club. Ce n'est pas affaire de beaucoup de femmes qui en vont pas là. Mais c'est l'individu lui-même qui est le mal. Alors, la Bible dit quoi? Si un homme qui a deux femmes, si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, elle n'aime pas l'autre. Et s'il en a des fils, s'il en a des fils, dans le premier ne soit de la femme qu'il n'aime pas, dans le premier ne soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra plus quand il partagera son bien de ses fils. Oui. Reconnaître ton premier-né. Ça, le fait de ne pas aimer cette dernière-là, ce n'est pas un péché. Hein. Maintenant, quand tu vas partager tes biens, ton héritage entre tes fils-là, tu dois reconnaître comme premier-né le fils de celle qui l'aime. Le fils de celle qui, n'aime, qui l'aime plutôt. À la place du fils de celle qui n'aime pas. Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas que tu vas donner à son fils-là un petit qui vient de naître comme étant l'aîné de la famille. Alors que c'est que tu n'aimes pas là, c'est avec elle que tu as fait le premier garçon. Vous comprenez? Mais la Bible dit. Mais il reconnaîtra pour premier-né. Il reconnaîtra pour premier-né. Le fils de celle qui n'aime pas. Et la Bible dit quoi? Elle lui donnera sur son bien une portion double. Lui donnera sur son bien une portion double. Alors. Le fils est la prémisse de sa vigueur. Alors il y a un homme qui avait beaucoup de femmes. Il aimait une plus que l'autre. Un Samuel. Ne dormez pas, réveillez-vous. Nous sommes au travail. Amen. Le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1 et 19. Écoutez bien, très bien ce passage. Quand Dieu a réglementé comme ça, lui, il a compris la chose. Il a coupé court. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait un homme de Ramathaïm. Il y avait un homme de Ramathaïm. De la montagne d'Ephraïm. Oui. Nommé Elkanah. Nommé Elkanah. Il avait deux femmes. Le monsieur avait deux femmes. Dont l'une s'appelait Anne. Dont l'une s'appelait Anne. Et l'autre Penina. Et l'autre Penina. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Oui. Pour se prosterner devant l'Éternel. Hein? Le jour où il offrait son sacrifice, hein? Il donnait des portions à Penina, sa femme. Il n'a pas dit Penina, l'une de ses femmes. Malgré qu'il avait beaucoup de femmes, il avait deux femmes. La Bible dit Penina, sa femme. Alors le mot sa femme là ne doit pas être un facteur qui doit bloquer la conscience des gens à réfuter la polygamie. La polygamie est une bonne chose. Amen. Un homme qui a beaucoup de femmes, tu es un instrument de Dieu qui diminue le nombre de prostituées de la société. Amen. Vous voulez que moi comme ça, je sois une seule femme? Pourquoi? C'est versé comme c'est versé. Et moi, je vais avoir une seule femme, pourquoi? Non, je suis trop précieux pour être à une seule femme. Amen. Amen. Simirim. Reviens. Alors, suivant. Lions-le, lions-le, lions-le. Lions-le, lions-le, lions-le. Esprit de pauvreté, de masturbation, tous ceux qui lient les démons, vous êtes des envoûtés. C'est-à-dire vous êtes dans le panier de marché de Satan. Toi, tu m'as lié Satan avec quel pouvoir? Satan même les cause avec Dieu. Posez des questions, on va vous montrer des passages. Satan cause avec Dieu fa-fa. Et d'ailleurs même là, Dieu accorde des privilèges à Satan plus que même à vos pasteurs. C'est vrai. Une femme qui prêche est une femme de nuit. Amen. 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 Maman pasteur, maman prophétesse, c'est une ouvrière de malheur. Toi qui n'as jamais vu une femme de nuit, c'est elle qui est là. Oui, question. Bon, ma question est relative au ministère de la femme. Très bien. Comme Dieu me voyait dans ton cœur, il a ciblé la chose avant que tu ne commences. C'est ça. Bon, j'avais dit que la femme n'a pas le droit d'être prophétesse. Elle n'a pas le droit de prêcher l'évangile. De prêcher. Alors que dans le livre des Juges, ils ont parlé de la prophétesse Déborah. Oui. Et plus loin dans le livre de Osée. Oui. Et Dieu a dit dans les derniers temps. C'est pas Osée, mais c'est Joël. Joël, merci. Dans les derniers temps, je répandais de mon esprit sur toute chair. Oui. Et vos filles et vos fils prophétiseront. Même sur les chairs d'Akmani. Donc, ma préoccupation, c'est de savoir pourquoi vous dites que le ministère est interdit à la femme. Merci, frère. Maintenant, ma deuxième question. Oui. Est relative au prophète, au pasteur qui doit faire le voie pastoral. Voilà. Vous ne croyez pas à ce qu'un pasteur puisse faire le voie pastoral. Je voudrais savoir si la Bible que vous utilisez. Qui l'a écrit, qui a rédigé cette Bible-là? Est-ce que ce n'est pas un théologien aussi qui a rédigé la Bible? Ok.
Maintenant, ma troisième question est relative aux hommes. Merci, monsieur. Oui, oui. Aux hommes qui ont plusieurs femmes. Comment passer là? Allez-y, monsieur, allez-y. Oui. Ma question est relative aux hommes qui ont plusieurs femmes. Pourquoi la Bible fait une restriction sur les responsabilités au sein de l'Église, pour ceux qui ont plusieurs femmes? Si vraiment c'était une bonne chose, pourquoi la Bible fait une restriction sur les responsabilités au sein de l'Église? C'est comme si on dit celui qui doit passer le concours d'entrée académique à la fonction publique, il doit avoir le bac. Comme si le fait de ne pas avoir le bac est une malédiction de la société. Donc pour toi, si on donne des restrictions à quelqu'un qui doit occuper une fonction de la société, c'est que le reste des choses qu'on lui demande, de ne pas faire bien les choses qu'on lui, on l'interdit là, sont de mauvaises choses. Pour toi, c'est ça. Quand on dit que celui qui travaille, qui veut bénéficier des biens de la société, de l'entreprise où il travaille, il doit faire mariage civil. Ça veut dire que celui qui n'est pas marié à la mairie, il doit aller en prison. C'est ça, je dois comprendre. Ou bien, si on doit venir pour un entretien dans ce bureau, tu dois être en costume avec cravate. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas porté cravate avec costume, dans la société, on doit les attraper pour les avoir à la maca. Vous comprenez très mal les choses. Vous interprétez mal la parole de Dieu. Et c'est de ça que l'Écriture parlait, disant que vous ignorez la parole de Dieu et la puissance du Seigneur. Sinon que dans les Écritures, il n'y avait pas d'interdiction à un homme de se marier à plusieurs femmes. Le passage que tu as pris là est clair, que celui qui veut être ancien, ça veut dire que celui qui ne veut pas être ancien n'est pas concerné par ce passage. Lisons 1 Timothée 3 là. 1 Timothée 3, 1 à 5. Oui. Cette parole est certaine. Voici ce que la Bible dit. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est une bonne œuvre. Oui. Il faut donc que. C'est une obligation, un impératif. Il faut donc que. L'évêque soit irréprochable. Il n'est pas dit le chrétien. Or, pour être chrétien, ce que Jésus a demandé est simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque a une seule femme, non. Mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La condition sine qua non que Dieu exige comme critérium nécessaire, indispensable, pour avoir la vie éternelle, pour être chrétien, c'est de croire au Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, étant chrétien, si je vais assumer des charges, des responsabilités dans l'Église, c'est autre chose maintenant. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Premier point. Mari d'une seule femme. Faut pas prendre ça seulement, on continue. Sobre. Sobre. Modéré. Modéré. Réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Il ne doit pas être quelqu'un qui boit beaucoup. Ça veut dire que s'il n'est pas évêque, l'épée s'est adonné au vin. C'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est celui qui doit être évêque qui est interdit. Vas-y. Ni violent. Il ne doit pas être violent. Mais indulgent. Indulgent. Pacifique. Pacifique. Désintéressé. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Dans notre monde aujourd'hui, on peut trouver un individu comme ça. Qui veut regrouper en lui toutes ces qualités-là. Ça sera difficile d'avoir évêque. Or, les évêques catholiques là sont très dangereux. Eux-mêmes, ils prêtent serment de ne pas se marier, ils disent qu'ils ne se marient pas. Mais ce qui se passe là, ça veut dire qu'ils ont fini d'enceinter toutes les sœurs qui sont au couvent. Vous ne savez pas quels sont les prêtres qui enceintent les sœurs. Mais la virilité d'une femme là s'est saisie au niveau de ses mamelles. Une sœur de 25 ans, elle dit qu'elle est vierge et ne connaît pas un garçon. Et les sœurs sont tombées jusque là. On dirait les chaussettes d'un tirailleur sénégalais. Qui a sucé? Qui a têté ces seins-là? Le vrai bébé, le gros bébé barbu qui tête ça, c'est le prêtre. C'est le prêtre qui tête ça. Le prêtre est un bandit. Nous, on assume ce qu'on dit, mais eux ne sont pas courageux. Dieu dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le prêtre dit, c'est bon que l'homme soit seul. L'Église catholique dit, c'est bon que l'homme soit seul. Mais dans la nuit noire, ils enceintent les sœurs en ordre et en désordre. Voici le couvent. Les sœurs sont ici, elles ne doivent pas chercher garçon. Voilà. Les prêtres sont ici, en face, ils ne doivent pas chercher femme. Le prêtre ne cherche pas femme, la sœur ne cherche pas garçon.
Maintenant, deux cages. À gauche, le chat. À droite, la souris. On dit au chat de ne rien manger de la journée. Et dans la nuit noire, on ouvre la cage du chat et celle de la souris. Ce qui va se passer là. Si tu veux, il faut mettre toutes sortes de panneaux non-stop. Le chat va dire ta mère, il va aller manger. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Amen. C'est la même chose. C'est la même chose. Les prêtres catholiques, ils disent, d'ailleurs même quelqu'un qui a fait école, était à l'école, il cherchait femme. Les prêtres étaient à l'école, ils cherchaient femme. Ils avaient leurs copines. Il y a plein de prêtres même qui ont des enfants. Mais hypocrites qu'ils sont, ils disent qu'ils ne se marient pas. Ils sont plus dangereux même que nous qui sommes mariés. Les prêtres sont dangereux. C'est pourquoi au jugement dernier, ils vont payer pour tout ça. Alors, la sœur qui est la vierge sœur, quand le prêtre l'enceinte, on dit la sœur a été envoyée en mission par le Seigneur. Le temps pour elle d'accoucher, quand l'enfant finit d'accoucher, de naître plutôt, et qu'il est devenu grand, qu'est-ce qu'on fait? Ceux que vous avez mis pour régulariser la situation, ça ne me plaît pas. Ce ne sont pas d'habitude qui travaillent dans ce domaine-là que vous avez mis là-bas. Si le personnel est insuffisant, abandonnez complètement ce front-là. Ok. Alors, regardez maintenant. Quand elle finit d'accoucher, on la voit ailleurs, bébé. Quand elle grossit, on la voit quelque part. Et le bébé, il devient un petit voyou enfant de cœur. Abat les enfants de cœur. Les enfants de cœur qui ne connaissaient pas souvent. Le pourquoi même soit à l'église. Des petits voleurs de poulet. Des voleurs de colette. Hokriko, ho. Hokriko, crac. Ho kavia, lele, kavia. C'est qui me kibe, c'est qui me kibe. Ça là, c'est quelle langue ça? Ça, c'est la langue des gorilles, des vieux babouins de la forêt d'Amazonie. Ce n'est pas ça l'esprit de Dieu. Alors nous revenons à notre affaire. Sinon, avoir beaucoup de femmes là, ce n'est pas un péché, mon ami. Mais il est dit, celui qui doit être évêque. Mais les prêtres catholiques sont contre ça. Et ils disent soit évêque, mais ils ne sont pas mariés. Ils sont évêques de qui? Le frère évêque de Jésus doit être marié à une seule femme. Mais le chrétien peut se marier au nombre de femmes qu'il veut. Ce n'est pas un péché. Prenons l'histoire des prophétesses qu'il a soulevée. La prophétesse dans Juge, Déborah. Juge 4, 4 à 6. Abat le ministère de la femme. Abat. Continuez, il faut exprès. Vous voyez? Il ne peut pas continuer dans le bruit. Il veut créer le désordre. Ok, nous continuons. Oh là là, vous êtes en train de nous perdre le temps. Alors, le ministère de la femme n'est pas public. La seule chose qui est publique, c'est le ministère du garçon. On n'a jamais dit femme de Dieu, mais on dit toujours homme de Dieu. Vous-même, là, ça ne vous dit rien. Regardez le passage. Juge 4, 4 à 6. Oui. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Déborah, prophétesse, femme de lapidote, était. C'est ça la Sorbonne. Allez là, certains viennent de prendre leur billet, ils sont inspirés. Ok, le ministère de la femme n'est pas public. Le frère a soulevé le passage des juges. Dans lequel il est mentionné Déborah qui serait prophétesse. C'est ça. On va voir le rôle qui est joué. Juge 4, 4 à 6. Ah, quand Moïse a été envoyé par Dieu en tant que prophète, il est allé devant Pharaon pour faire sortir les enfants d'Israël. Quand Élie a été envoyé, il est parti conduire Israël en rétablissant l'autel du Dieu d'Israël. Quand, comme il s'appelle, Jésus a été suscité, il a libéré Israël. Quand Jean-Baptiste a été envoyé, il s'est mis devant le peuple pour prêcher et il a baptisé. Le Seigneur Jésus-Christ, même chose. Mais regardez votre Déborah là. Dans ce temps-là, Déborah. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel. Les prophètes là,
Leur travail, c'est de s'asseoir en brousse. Elle s'assoit où? Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Oui. Entre Rama et Bethel. Entre Rama et Bethel. Dans la montagne d'Ephraïm. Tu entends ça? Elle ne dirige pas, elle dirige les montagnes. Dans la montagne d'Ephraïm. Oh, le prophète que Dieu envoie va devant le peuple. Mais elle, elle est en brousse là-bas. Parce qu'ils n'ont pas permis à la femme de prendre autorité sur l'homme. Alors, quand les enfants d'Israël avaient un différent, on va voir si les enfants d'Israël partaient vers elle pour qu'elle prophétise sur eux, ou bien c'est pour Dieu, quel rôle? On dit, elle était juge. Reprends la partie, ça a échappé. Reprends la partie. En ce temps-là. En ce temps-là. Déborah prophétesse. Déborah prophétesse. Femme de Lapidote. Femme de Lapidote. Était juge en Israël. Elle n'exerce pas sa fonction de prophétesse sur Israël, mais c'est la fonction de juge qu'elle exerce. Au parquet ici, là, il y a les juges là-bas, qui sont femmes. Est-ce que les dimanches, ce sont des qui viennent prier pour nous dans les sanctuaires? Hein, frère? Pourquoi on dit qu'elle est prophétesse? Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ça, mais je te parle d'abord de notre pays. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici, là, les magistrats, les juges qui sont dans le parquet, est-ce que ce sont eux qui viennent diriger nos cultes dans les églises? Vous voyez, ça veut dire que la fonction de juge est différente de la fonction de prophétesse. Vous comprenez? La fonction de juge est une fonction profane. Mais la fonction de prophète, là, c'est une fonction sacrée. Amen. Ça s'exerce dans le sacerdoce, dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Mais elle exerçait sa fonction de juge en Israël. Juge en Israël. Elle avait le don de prophétie. Ce qu'on doit retenir, une femme peut avoir le don de prophétie. Amen. Nous sommes rassemblés comme ça en train de prier en assemblée. Elle ne doit pas aller à la chair. Pendant que la prière est intense, l'onction descend. Ainsi dit le Seigneur. Le frère Gédéon, la semaine prochaine, tu vas tenir une conférence de presse d'évangélisation au Congo. Ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle s'assoit. C'est tout. Mais cela va la pousser. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Une femme que vous voyez prêcher dans les rues, c'est une femme en manque de sentiments. Invitez-la chez vous à la maison, oui. Donnez-lui à manger, oui. Donnez-lui à boire, oui. Et mettez-la dans une position appliquée courbatoire. Yes. 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 Let's go! Yes. Yes. Let's go! Vas-y. C'est une prostituée à la recherche de clients. Yes. Mon frère Jésus t'aime, alléluia. Hey. Retourne au foyer là-bas. Prêche la vieille, vas-y la vieille. Et il y a des doyens barbus qui se mettent à genoux. Oh maman, bénis-moi. Pas. Tu es un vendu. L'homme, le représentant de Dieu, toi, celui qui le ciel compte. Oui. Tu te mets à genoux devant une petite fille pour pleurer. Oh maman, bénis-moi, bénis-moi. Honte à toi. Amen. Oui, frère. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Donc, elle avait le don de prophétie. Sinon, l'écriture ne peut pas se contredire. Lisons Joël qui l'avait donné. Joël. Joël 2, 28. Et tu prépares acte l'accomplissement de cette prophétie qu'il a donnée. Joël 2, 28. Toutes les églises que vous voyez les femmes prêcher dedans sont des églises qui sont des portes ouvertes de l'enfer. Amen. Toi qui es de Dieu, sauve ta tête. Vous qui êtes là qui ne savez pas pourquoi est-ce qu'on est là. Le problème, la question de fond ici, c'est que toutes les églises de Côte d'Ivoire sont des poudrières, les bases arrières de l'enfer. Oui, frère. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit prêcheront. Vous comprenez? Il n'a pas dit prêcheront. Let's go. Prophétiser. Comme don de prophétie. C'est la même chose. Il n'a pas dit avant prêcher. Sinon, le Saint-Esprit, cette prophétie-là est accomplie. C'est une promesse de la parole. On va voir son accomplissement. Acte 2, 17. Or, quand on suit les choses de façon chronologique, entre Joël et Acte des Apôtres, lequel vient premièrement? C'est Joël. Ça dit, si l'Esprit de Dieu qui était sur Joël est le même Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, les deux ne doivent pas se contredire, mais ça doit être simplement la continuité. Soit l'Ancien Testament est la prophétie, l'ombre et l'annonce, mettant le Nouveau Testament est l'accomplissement de la prophétie, la réalité et la confirmation. Vas-y, frère. Acte 2, 17 dit quoi? Mais c'est ici. C'est ici. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Voilà. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. C'est ici. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël. Oui. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dit Dieu. Dit Dieu.
Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards. Vos vieillards auront des songes. C'est accompli. Amen. Mais on n'a pas vu une femme prêcher là-bas. Au contraire, c'est Simon Pierre, un garçon vieux barbu, Amen. Qui prêchait. Et quand Simon Pierre a prêché, l'apôtre Paul est venu plus tard. On va voir la clairitude apportée par Paul. Amen. Pour que tout soit clair. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33 jusqu'au verset 38. C'est la vraie attitude. Car Dieu n'est pas Dieu des désordres. Ah. Vous voyez, après avoir dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, Dieu a dit, ah, les cabris aussi ont cher, les femmes ont cher. Mais attendez, il faut qu'on fasse la précision pour ne pas que la confusion règne. Amen. Parce qu'il est écrit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il va ôter maintenant la confusion. Oui, frère. Car Dieu n'est pas Dieu des désordres. Oui. Ça veut dire que le sujet qu'on va aborder là, si ce n'est pas respecté, c'est le désordre qu'on va constater. Et là où il y a le désordre, ce n'est pas Dieu qui est là. Le désordre est occasionné par Satan. Mais Dieu n'est pas dans le désordre, mais il est dans l'ordre. On va voir l'ordre que Dieu instaure dans son église. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. Mais un Dieu de paix. Mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Aïe, attention, frère. Supratia. Faut pas peur, je vais parler en langue. Alléluia. Mais parler en langue, là, tout le monde peut fabriquer maintenant. Les gens sont allés, tellement ils sont en manque d'inspiration, ils créent des sensations inutiles. Un christianisme émotionnel, un christianisme sensationnel, le sensationnel, que les gens appellent maintenant la manifestation de l'onction. Haribababa, supra kaya, supra yakei, haribabai. Quand il vient de faire ça, merci Seigneur pour ta grâce. Mais tu viens de dire quoi? Où est grâce de Dieu que tu viens d'avoir là? C'est l'esprit de banditisme. Il faut censurer cela. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Il n'est pas dit comme dans toutes les églises, non. Dieu ne s'adresse pas au monde entier comme ça. Il s'adresse au monde, mais en particulier à son église, à ses prédestinés, à ses élus. Vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 7 et 1, le verset 1 à 4. Il y a des gens qui disent, oh, ce que Paul a dit dans Corinthiens s'adresse uniquement qu'à l'église de Corinthe. Mais c'est quel passage de la Bible qui s'adresse à l'église de Côte d'Ivoire? 1 Corinthiens 1, 1 à 4. Oui. Paul. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène. Et le frère Sostène. À l'église de Dieu. À l'église de Dieu. Qui est à Corinthe. 1. L'église de Dieu qui est à Corinthe d'abord. À ceux. Qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Ça veut dire que la parole du Seigneur qui est en train d'être donnée là, s'adresse premièrement, puisque c'est aux Corinthiens que là-bas la chose a commencé, s'adresse d'abord aux Corinthiens 1. Hein? À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. Appelés à être saints. Et à tous ceux. À tous ceux. Qui invoquent. En quelque lieu que ce soit. En quelque lieu que ce soit. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que si en Côte d'Ivoire, la communauté où tu pries, si c'est le nom du véritable Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il a dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Si tu es convaincu que c'est du Seigneur Jésus-Christ le véritable qui est invoqué, c'est son nom qui est invoqué là-bas, ce qui est dit là, tu dois faire attention à ça. Il n'est pas encore tard de plier tes bagages. Sauver ta tête de l'enfer. Tu es trop mignon pour aller en enfer, frère. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Le Seigneur Jésus t'étend la main par ce message. Reviens à la maison. Ne continue pas d'aller là-bas. Vas-y, frère. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent de les assemblées. Il dit quoi? Que les femmes se taisent de les assemblées. Il n'est pas dit comme dans l'église de Corinthe seulement, mais comme dans toutes les églises des saints. Ne peut être saint que celui qui a le Saint-Esprit. Bien. Si vous êtes sûr que là où vous priez, c'est le Saint-Esprit qui y opère, les femmes doivent se taire dans les assemblées. C'est pas un débat. C'est pas un débat.
Une femme qui prêche est un esprit mamiwata. Oui, frère. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Y ici est complément de substitut. Complément circonstanciel de lieu de substitut. C'est-à-dire Y remplace l'église. La femme n'a pas le droit d'y parler pour ne pas faire la répétition. Vas-y, frère. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon que le Dieu aussi la loi. Ça veut dire qu'au temps de la loi, entre 1000 hommes, j'ai trouvé au moins un homme. Mais je n'ai pas trouvé une femme. Dieu dit qu'il n'a pas trouvé une femme. Entre elles toutes. Tu sais le chamboulement de notre monde. Le bouleversement de notre monde. Tu sais ce qui a provoqué ça? C'est la conduite grossière, irrespectueuse d'une seule femme qui a conduit à ce chaos. Tu penses que Dieu est couillon pour la laisser encore? Premier Gaou n'est pas Gaou, mais c'est deuxième Gaou qui est. Notre Dieu connaît ça aussi. Il ne va pas se laisser faire. Yes. Il a laissé la femme premièrement, elle a eu. Cette fois-ci, il ne va plus se laisser avoir. Il ne va plus se laisser veiller au grain. Ce qui s'est passé là, Dieu a pardonné, mais il n'a pas oublié ça. On va lire ça tout à l'heure. Continue, frère. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon que le Dieu aussi la loi. Selon que le Dieu aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. À la maison. Car il est malsain à une femme. Oh, 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 oh. Comment l'Esprit de Dieu parle pour dire que c'est malsain? Le Saint-Esprit travaille et on dit que c'est malsain. Oh, c'est Dieu qui dit le malsain à une femme. Il est malsain à une femme. Il est malsain à une femme. De parler dans l'église. La Bible dit que ce n'est pas par la volonté humaine que les gens parlent de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va utiliser une personne pour parler? Dieu va dire que ça là c'est malsain. En d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Si vous voyez une femme parler, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. C'est pourquoi Dieu dit qu'il est malsain à une femme de parler dans l'église. Dans l'église. Amen. Oui. Est-ce de chez vous? Maintenant, vous qui voulez que les femmes prêchent. Ce n'est pas aujourd'hui que la journée a commencé. Il y a des gens qui disent, mais les femmes sont nos mamans, elles doivent parler aussi, elles doivent prêcher aussi. Oh. L'écriture, sous l'inspiration de Dieu, pose la question à ces faux pasteurs. Est-ce de chez vous? À ces pasteurs Akmani, à ces pasteurs ventripotents, à ces pasteurs de malheur, à ces grillets d'arachide, à cette bande de faux moins, à cette bande de mafias organisées venues tout droit de l'Occident. Regardez. Est-ce de chez vous? Est-ce de chez vous? Que la parole de Dieu est sortie? Que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul? Où est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue? Qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète. Attention maintenant, dans votre église. Si quelqu'un croit là-bas être prophète. Ou inspiré de Dieu. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est Dieu qui vous inspire? Qu'il reconnaisse. Vous devez simplement reconnaître. Que ce que je vous écris. Que ce qu'on vient de dire là. Est un commandement du Seigneur. Quand Dieu, quand Dieu donne son commandement. Quand Dieu j'aime beaucoup ma patrie. Il dit, lui il est ivoirien, le jadeau le menace. C'est une interdiction formelle de menacer un ivoirien sur son territoire. Je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que moi-même, je n'accepterai pas aussi d'être menacé. Oui, frère. Si quelqu'un croit être prophète. Si quelqu'un croit être prophète. Ou inspiré de Dieu. Ou inspiré de Dieu. Qu'il reconnaisse. Qu'il reconnaisse. Que ce que je vous écris. Que ce que je vous écris. Est un commandement du Seigneur. Quand Dieu donne son commandement, son peuple dit quoi? Amen. Et si quelqu'un l'ignore. Maintenant, comme l'enfer aussi a été créé pour être habité, s'il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça, qui l'ignore. Il faut que l'enfer soit habité. Et si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. En tout cas. Non plus que les églises de Dieu. Alors, si l'église de Dieu n'a pas l'habitude de constater cela, maintenant les églises qui contestent cela sont églises de qui? 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 15. On va lire ce passage. 1 Timothée 2, 11 à 15. On va parler maintenant de l'auteur de ce document mystique. C'est le document le plus vérifié, le plus vrai au monde. Il est le document le plus vendu, le plus lu, mais malheureusement le plus mal compris. Il envoie des multitudes d'individus en enfer, mais il envoie une minorité au paradis. Ah. Et vous êtes enfant de cette minorité-là. Ah. Oui, frère. Que la femme. Que la femme. Écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Je ne permets pas. À la femme d'enseigner.
Ça là, c'est pas un débat, c'est Dieu qui le dit. On avait parlé, l'écriture a parlé dans Corinthiens. Vous avez dit que non, c'est au Corinthiens. Maintenant, la chose dans Timothée, maintenant. Ce n'est plus. Hop, Timothée, je crois qu'il est resté à Éphèse. C'est un pasteur. Paul lui donne des instructions. Et ce n'est pas Paul, c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Vas-y, frère. Je ne permets pas. Quand les gens prêchent, Saint-Paul a dit que. Saint-Paul a dit que. Saint-Paul a... Voilà Saint-Paul qui est en train de dire ici. C'est Saint-Paul qui parle là. Quand ça les arrange. Oh, Paul, c'est un misogyne. Il est contre les femmes. Quand ça ne les arrange pas, ou bien quand ça les arrange, oh, parole du Seigneur, Saint-Paul, il est l'homme le plus inspiré de Dieu, le dernier venu qui a travaillé plus que les autres. Hypocrite que vous soyez. Oui, frère. Je ne permets pas. Il dit, je ne permets pas. À la femme d'enseigner. À la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Attention. Hein? Vous entendez ça? Aussi longtemps qu'il restera un bébé garçon qui vient de naître aujourd'hui, sur la tête des hommes, femme n'a pas le droit de prêcher. C'est quand garçon finira sur terre que femme peut prêcher. Chose impossible d'ailleurs. Parce que la loi de la procréation doit être perpétrée et doit être pérennisée. Ainsi, garçon vivra pour que la femme existe. Parce que la femme n'a pas existé sans le garçon, mais le garçon existe sans la femme. Mais la femme ne peut pas vivre sans l'homme. Ainsi, il est écrit. Ainsi, il est écrit. Alléluia. Elle porte sur elle la marque de l'autorité dont elle a. L'homme est le chef de la femme. Quel que soit l'âge du garçon, il est le père de la femme. Les femmes sont nos mamans. Tu es un envoûté. Les femmes ne sont pas nos mamans. Ce que femme veut, Dieu veut. C'est un blasphème notoire. Femme est qui pour que ce qu'elle veut, là, Dieu puisse imposer ça. Ce que femme veut, ce que femme veut, Dieu veut. C'est que Dieu ait pitié de Pastako. C'est un jeune Ivoirien que j'aime beaucoup, sa musique, mais bon, comme il est un païen, je lui conseille ça. C'est un païen. Comme il peut dire ce que Dieu veut, femme veut. Ce que femme veut, Dieu veut. Ce que Dieu veut, femme s'en fout. Si Dieu veut aujourd'hui que la femme quitte la terre, elle va quitter la terre. Elle est qui pour s'en foutre de ce que Dieu veut? Oui, frère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Jamais. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Quand Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Qui fut le premier à être créé? Adam. Donc le père de la femme, c'est l'homme. Il est le chef. Le mâle dominant, c'est lui. Il n'y a pas de débat. C'est pourquoi les femmes que les garçons parlent un, elles parlent deux. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Sinon, tu n'es pas une femme qui doit être dans le foyer. Il y a des gens qui pleurent devant femme. Oh, pardon, laisse-moi faire un. Puis, honte à toi. Femme qui est versée beaucoup là, tu vas te mettre à genoux devant une sorcière pour pleurer. Parce qu'elle t'a fermé les entrailles de son paradis. Oh, je dis, si vous partez dans une ville pour prêcher l'évangile et qu'elle ne vous a pas accepté, secouez la poussière de votre pied et continuez votre chemin. Let's go! Let's go! La prostitute! Ah non! Maman, il y a un gars là, il a vu sur les réseaux sociaux. Il allait se jeter dans le puits parce que sa femme a refusé de rester avec lui. Judas Iscariot est béni que ce dernier. Il y a un autre qui dit que sa femme l'a trompé, il allait couper son sexe. Pour dire, j'ai coupé, maintenant c'est fini. Alors je vous parle, si les morts, il est en enfer. C'est une malédiction pour l'humanité. Garçon, femme t'a trompé, tu vas te pendre, tu vas mourir. Ah bon? À cause de quoi? C'est femme qui doit se pendre à cause des garçons. C'est ça. Mais nous sommes une race qui a envie de disparition. Et le peu qui est resté là encore doit encore s'éliminer. Et y a, dans ce groupe resté encore, il y a d'autres qui voient femme comme étant même garçons. Ils sont devenus PD. Vous, les PD qui êtes dans la foudre, vous êtes des maudits. C'est ça. La malédiction. Vous. Tous les PD ici présents sont la malédiction de cette retrouvaille. C'est ça. Alors, je tiens à souligner que croire au ministère de la femme n'est pas public. Mais la Bible dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Vous comprenez? Alors, termine le passage. On va partir maintenant à l'origine de l'auteur, de celui qui a rédigé ce document. Quand Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam. Qui a été séduit. C'est la femme. Mais c'est la femme. Qui séduit. S'est rendue coupable de transgression. Hein? Ah. Hein? Voilà. Donc Adam était là dans son coin, il n'y avait pas de problème. Ah. Mais quand femme est venue là, ça a bouleversé tout.
C'est pourquoi Dieu lui-même ne peut pas accuser Adam. Il dit, Adam, est-ce que tu as mangé? Il dit, mais le vieux, il était seul ici, est-ce qu'il y avait problème? C'est toi-même qui avais un problème là ici. La femme que tu envoies là, elle a créé affaire là. Vous imaginez une fille de 18 ans, en son temps, Ève, toute nue au jardin qui se promenait. Toi-même, entre nous. À toi-même, toi-même là, sors un peu de ton corps, fais le film en esprit. Fais-toi un film en esprit. Vers les 18 heures là, parce que c'est vers le soir. Vers les 18 heures là, elle est toute nue, elle a SL, bien. Et elle se promet comme ça. Adam la suit, il regarde. Modèle original, sans chacholi, sans maquillage, de façon brute. Vous-même là, regardez les années que la chose a passé jusque là. Quand vous mangez ça, quel goût que ça vous donne. Maintenant, celui qui a inauguré ça le premier jour, vous imaginez les dégâts. Adam a oublié le nom de Dieu. Toutes les lois que Dieu lui a données, il a oublié ça. Quand Dieu est venu dire, mais mon petit, tu as fait quoi? Il dit, le vieux, j'étais ici seul, je n'avais pas de problème avec toi. C'est toi-même qui as envoyé ça ici. Donc si tu as envoyé, il faut assumer. Dieu a regardé Adam jusqu'à, il dit, ok. Amen. C'est toi qui as fait ça. Elle dit, le serpent m'a séduit. Arrivé sur ce serpent, Dieu n'a pas posé question, la maudite serpent. Pourquoi il ne lui a pas posé question? Parce que c'est lui-même qui a orchestré tout ça. C'est Dieu qui est la base du péché qui s'est passé en Éden. Il y a des gens qui disent que c'est Satan qui est la base du péché de l'humanité. Faux! C'est Dieu lui-même qui a orchestré tout cela. Si Satan a le pouvoir de faire le mal, c'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est ça. Un Dieu qui a le pouvoir de faire bien uniquement. Et il y a un Satan qui est son adversaire juré. Lui, il fait le mal. Ce que Dieu fait là, lui, détruit ça. Le jour lui et Dieu se voient, c'est la guerre. Un tel Dieu, c'est un Dieu bâtard. C'est pas nous notre Dieu. Le créateur des cieux et de la terre, le créateur de Satan aussi. Satan est sa créature. Le diable ne peut pas poser un pas sans l'autorisation de Dieu. Ainsi, quand il finit de travailler, il vient rencontrer à Dieu. Il dit, maître, je viens de travailler. Et le Seigneur dit, tu as bien fait, va te reposer. Il faut attendre pour les prochaines missions. Quand il doit avoir les dégâts à cause de Dieu, dit Satan. Et il dit, mon général est celui-là. Il dit, va en Pakistan, il faut bombarder là-bas. Et ça va animer, les terroristes se posent des bombes. Quand les dégâts ont eu lieu, Satan dit, le vieux est fini, il dit, bon, reviens. C'est comme ça, Satan travaille aux côtés de Dieu. Il n'y a pas à faire de dire, Satan va se lever comme ça pour lui-même, pour aller gâter les choses. Quand Dieu se fâche, il se bat jusqu'à ce que Satan affaiblit, il fuit encore, il retourne dans son trou. Il se cache dans son trou. Jusqu'à quand la colère de Dieu passe, il sort. Il voit quelqu'un qui est en train de construire quelque chose là-bas, ça va, il détruit, il fuit encore. C'est pas vrai. Un tel Dieu, c'est un Dieu bâtard. Alléluia. Mais Satan travaille dans toute la grande légalité que Dieu lui donne. Alors, la femme n'a pas le droit de prêcher. L'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Oui. Consultez. Le livre de l'Éternel. Élisez. Aucun Dieu ne fera défaut. Donc l'auteur de ce document-là, c'est lui-même, Dieu. Le théologien n'a fait que traduire. Parce que rédiger puis traduire, ce n'est pas la même chose. Être l'auteur d'un document et être traducteur d'un document, ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Voilà. Les théologiens ont traduit, mais Dieu est l'auteur de la Bible. Mais pour être serviteur de Dieu, on ne doit pas aller à l'école. Amen. Tous ceux qui ont fait école pastorale pour devenir pasteurs sont des païens. Amen. Cela n'est pas vrai. Parlant de la traduction, même dans nos langues qu'on a, oui. Dans nos patois, pour traduire directement en français, il y a toutes des difficultés. Donc, quelqu'un qui est allé traduire ces documents-là, dans les différentes langues que nous avons actuellement, c'est que quelque part, il a été inspiré de Dieu. Mais pour traduire quelque chose, ce n'est pas facile. Même tout à l'heure, si je parle ma langue tout de suite, que quelqu'un traduit ça correctement en français, il doit être discuté. Donc ça m'étonne vraiment que vous dites qu'on ne doit pas accepter la théologie et vous utilisez les livres qui ont été traduits par les théologiens. C'est un peu... Non, je n'ai pas dit ça. Tu ne m'as pas compris. Je répète encore ce qu'il a dit. Je dis dans la Bible, là, pour servir Dieu, il n'y a pas une école spéciale, il faut aller étudier Dieu, composer, être admis, avoir un diplôme pour devenir serviteur de Dieu.
Je dis cela n'est pas biblique. Vous comprenez? Sinon, il y a les serviteurs de Dieu dans la Bible qui sont allés à l'école, ils ont étudié. Mais ce n'est pas leur instruction intellectuelle là qu'ils ont pris pour servir Dieu, non. Mais pour qu'ils servent Dieu, Dieu était obligé de se révéler à eux, pour leur transmettre sa parole, afin que ceux-ci puissent la prêcher. Vous comprenez? Je vais te montrer le cas d'un individu qui était intellectuel, mais il ne comprenait pas les Écritures. Acte chapitre 8, l'unique éthiopien. Acte 8, 34 à 39. Et tu prends ici le cas des apôtres. Acte chapitre 4, verset 13. Oui, vas-y. Acte 8, 34 à 39. Oui. L'unique dit à Philippe. L'unique dit à Philippe. Je te prie. Je te prie. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Oh, tu as sauté quelque chose. Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. S'adressant à Philippe lui dit. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Va du côté du midi. Je vais vous montrer un intellectuel qui lisait la Bible mais qui ne comprenait rien dedans. La Bible qui est là, c'est un mystère. Pour que tu la comprennes, il faut que Dieu ouvre ton esprit et ton entendement. Si Dieu ne t'a pas révélé sa parole, tu ne peux pas la prêcher. Oui, frère. Lève-toi. Lève-toi. Va du côté du midi. Va du côté du midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Oui. Celui qui est désert. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Il se leva et partit. Et voici. Et voici. Un Éthiopien. Un Éthiopien. Un eunuque. Un eunuque. Ministre de Candace. C'est pas n'importe qui, c'était un ministre. De Candace. Oui. Reine d'Éthiopie. C'est pas un ministre tué de grand-mère. Hein? C'est un ministre authentique. Reine d'Éthiopie. Un ministre mérité en tant que tel. Alors ne mélangez pas les choses. Que Dieu me pardonne. Oui, frère. Ministre de Candace. Ministre de Candace. Reine d'Éthiopie. Reine d'Éthiopie. Hey. Surintendant. D'ailleurs, surintendant. De tous ces trésors. C'est pas n'importe qui. Ministre de l'économie. Et des finances. Oui. Venu à Jérusalem pour adorer. Venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner assis dans son char. Oui. Et lisait le prophète Esaïe. Il lisait le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe. L'esprit dit à Philippe. Avance. Avance. Approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Philippe a couru. Oui. Et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il a entendu le prophète, l'unique Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Et lui dit. Et lui dit. Comprends-tu ce que tu lis? Monsieur le ministre, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? L'eunuque répondit. Le ministre répondit. Comment pourrais-je? Comment pourrais-je? Si quelqu'un ne me guide. Si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe. Donc pour comprendre la parole de Dieu, il faut un guide. Tout croyant qui dit qu'il n'a pas de guide est un bâtard spirituel. C'est ça. Alors, revenons aux apôtres. Acte 4, 12 à 13. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Il n'y a sous le ciel. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Oui. Par lequel nous devons être sauvés. Par lequel nous devons être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre. Lorsqu'il vit la façon dont Pierre prêchait l'évangile. Et de Jean. Et de Jean. Il fut étonné. Matthieu 19, le verset 10 à 12. Et lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné. Sachant que c'était des hommes du peuple. Sachant très bien que c'était des hommes du peuple. Sans instruction. Sans instruction. Ils n'ont pas étudié. Tu vois un peu, frère? Ils n'ont pas étudié, mais le Seigneur s'est révélé à eux. Entre Dieu et les humains, là, qui est le meilleur instructeur? Tu vois un peu? Quelqu'un que Dieu instruit, va aller chercher quoi dans l'école des humains? Alors que ceux qui enseignent dans les écoles, là, c'est Dieu qui les a créés. Le créateur de ces enseignants-là, lui-même, il t'enseigne. Tu as fait au maître de chair lui-même. Tu as foutu quoi les élèves? Oui, frère. Sachant que c'est la zone du peuple. C'est bon, sans instruction. Sans instruction. Oui. Matthieu 19, 10 à 12. Regardez ce que l'Écriture dit. Les disciples de Jésus disent à Jésus. Hein? Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme. Oui. Il n'est pas obligé de se marier. Hein? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole. La parole du Seigneur là, il dit tout le monde ne la comprend pas, même les intellectuels. Mais seulement. Seulement. Ceux à qui cela est donné. Ceux à qui cela est donné. C'est pas à tout le monde. Pour comprendre la parole du Seigneur, il faut que cela te soit donné par le Seigneur. C'est une révélation. C'est le Seigneur lui-même qui le fait. Alors, frère, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce point. Au suivant. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Autorité à Jésus. Principauté à Jésus. Majesté à Jésus. Domination à Jésus. Victoire à Jésus. Maranatha. Jésus le Père. Maranatha. Jésus le Père. Acclame le Seigneur. Alléluia. En vérité, Jésus. Mes chrétiens ne perdent
de salut. Amen. Quelle que soit la vie d'un chrétien, oui. S'il meurt, il va au ciel. Amen. Un pasteur qui enseigne, oui. Que le chrétien peut perdre le salut, c'est un envoyé du diable. Amen. Ok. Un pasteur qui enseigne, oui. Que le chrétien, un chrétien a la possibilité, yes. De perdre le salut. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis chrétien, oui. Et j'ai le salut. Et par un péché quelconque, alors Dieu va enlever ce salut qu'il m'a donné et je peux aller à l'enfer. Un pasteur qui enseigne, yes. Cette doctrine, hein? C'est un envoyé du diable. Amen. Le chrétien ne peut jamais perdre le salut. Amen. Quelle que soit la vie d'un chrétien, alors s'il va, il va au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En vérité, yes. Tous ceux qui ont été baptisés, oui. Au nom du Père, un, du Fils, deux, et du Saint-Esprit, trois. Vous avez été mouillés cadeaux. C'est ça. Si tu meurs dans ce baptême, oui. Tu n'iras pas au ciel. C'est pas tout droit en enfer. L'homme qui t'a baptisé, c'est un païen. C'est. Et tu es encore un païen. Amen. C'est par amour que je te parle. Alors si tu ne quittes pas là où tu es, oui. Si tu meurs là-bas, tu vas tout droit en enfer. C'est. Alléluia. Amen. Après le baptême trinitaire. Alléluia. Amen. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. C'est ça. À part Dieu le Père. À part. À part Dieu le Fils. À part. À part Dieu le Saint-Esprit. À part. Moi, Dieu qui forme un. Attention. Et tu es fier, tu adores un tel Dieu. Mm-hmm. Donc, il a combien de têtes? Il a combien de bras? C'est un Dieu à régner. C'est ça. Alléluia. Amen. Même le féticheur qui est au village, oui. Il croit qu'il y a un seul Dieu. C'est ça. Mais toi qui as été à l'école, c'est toi qui crois qu'il y a plusieurs dieux. Tu es un païen. Alléluia. Amen. À part les statues. À part les statues. À part. Tous ceux qui prient des statues, oui. Vous êtes encore des païens. C'est ça. Regardez un homme normal. Toi, tu pries avec une statue. Un bois qu'on coupe au champ, oui. Un conteil on te pose, et on fait des cieux, on fait des bras, on fait des bouches, une bouche qui est là, et ce bois qui est là, la statue ne te voit même pas, oui. La statue ne te parle pas. Oui. Toi, un homme normal, un homme sensé, tu te mets à genoux devant une statue, et tu pries, et tu parles à cette statue. Attention. Ça veut dire qu'il y a une folie dans ta tête. Alléluia. Tous ceux qui prient des statues, oui. Vous êtes des féticheurs replacés. Les féticheurs au village, oui. Ils prient des statues. Oui. On me parle de Jésus, je viens voir Jésus et je retrouve encore les mêmes statues. Attention. Que j'ai abandonné chez le féticheur au village, je retrouve encore à l'église. Où est la différence entre toi qui prie Jésus et le féticheur? Il n'y a pas de différence entre vous. Vous êtes de petits copains. Alléluia. Amen. Vous êtes qui prient des statues, oui. Vous êtes encore des païens. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui prient et qui disent que Marie est mère toujours vierge. Attention. Vous êtes encore des païens. Amen. Comme est-ce qu'une mère peut être encore vierge? Amen. Vous allez faire école. Vos parents paient école pour vous. Comme est-ce qu'une mère peut être encore vierge? Amen. Mais qu'est-ce qu'on appelle mère et qu'est-ce qu'on appelle vierge? Amen. Il est dit qu'une femme est mère. Lorsque cette dame-là a accouché au moins d'un enfant, alors cette dernière porte la tribu mère. Une vie est encore vierge lorsque cette dernière n'a pas encore eu des rapports sexuels. En d'autres termes, la membrane qu'on appelle humaine n'a pas encore été ôtée. En ce moment-là, on dit qu'elle est vierge. Mais nous savons tous, et la plupart, que Marie, elle n'a pas eu des rapports sexuels et puis la grossesse est venue. Elle a contrôlé cette grossesse. Nous sommes tous d'accord. C'est ça. Mais l'enfant Jésus qui est dans le ventre. Alors, je vais vous poser une question. Par où l'enfant Jésus est passé pour sortir? Question! Est-ce que l'enfant est passé par la bouche de Marie? Question! Est-ce que l'enfant est passé par les narines de Marie? Question! Si l'enfant Jésus est passé par la voie normale, oui. Comme toi et moi nous sommes venus, oui. Cela veut dire que la tête de l'enfant qui vient, oui. Qui est plus énorme que le pénis même, oui. Mon Dieu! Il vient de loin. Ça veut dire que Marie lui-même a été ôtée. C'est ça. On ne peut pas dire aujourd'hui que Marie encore vient. La Bible dit que Joseph a pris sa femme. Il a dit que c'est sa femme. On fait quoi avec sa femme? Question. C'est pour manger du riz. Joseph a fait un bon travail. C'est ça. Et il a eu beaucoup d'enfants. Marie a eu beaucoup d'enfants. Et le nom des garçons est écrit. C'est
Alors une telle femme, on ne peut pas nous dire, on peut être une homme vierge, qu'elle est encore mère, toujours vierge. C'est toi qui l'as réviergée, vous ne voulez pas marier avec tes vierges. Alléluia. Donc, vierge mère, là, ce n'est pas mari seul. Puisque moi, ma maman aussi a fait beaucoup d'enfants. Alors, toi aussi, ta maman a fait beaucoup d'enfants. Donc, en ce moment, tu peux lui dire aussi, elle est vierge mère. Donc, là-bas, il faut dire à ta maman, Alléluia. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes invités à poser des questions. Alléluia. En vérité, Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes. Alors, ils sont nés, ils veulent pas, ils sont nés au ciel. Et il y a une autre catégorie qui est née. Ils ne veulent pas, ils sont nés par là en enfer. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cette catégorie qui est née par là au ciel que nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire des prédestinés. Il est quelle heure? À la table, le Seigneur. Okay. Alors, pour revenir à nos mots et temps, je tiens à apporter la connaissance de tous que la question de fond qui nous réunit ici, c'est que toutes les églises de Côte d'Ivoire sont des églises de Satan. Pour être sauvé, pour croire la vérité que nous sommes en train de prêcher. Alors, question. Monsieur Arnaud, posez votre question. C'est pour comprendre une chose. Oui. Tu vas à l'église quand tu es avec une fille. Levez un peu la voix, monsieur Arnaud, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas encore marié. Oui. Vous chutez. Chuter, c'est-à-dire. Vous sortez ensemble. Donc, pour vous, quand vous couchez à l'ongle, là, c'est une chute. Quelle hauteur? Vous avez chuté à de quelle hauteur? On te dit, on te met sous discipline. Oui. Donc, c'est la notion de la sous-discipline dans laquelle je voulais comprendre. D'accord. Merci, monsieur Anno. Votre question nous laisse entrevoir que vous êtes une victime propitiatoire de la barbarie doctrinale de ces faux pasteurs. Sinon, comment on peut comprendre que quelqu'un qui a amené une femme, ils sont avec elle, on peut appeler ce acte sexuel pratiqué une chute. Ça, c'est la chute de quelle hauteur? Dieu a dit multiplier, soyez fécond. Mais la seule façon pour se multiplier, c'est de coucher avec la femme. Dans la mesure où cette dernière, vous êtes convaincu qu'elle vous plaît et qu'elle vous a donné son accord de principe, vous êtes dit amen. Pour aller ensemble, il est notoire que vous sortez ensemble. D'ailleurs même, je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent le mariage. Je n'arrive pas à comprendre. Pour ces pasteurs-là, pour la croyance de cette génération, le mariage, c'est le fait d'aller à la mairie, monter dans la voiture, pom, 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 marié. Les vieux qui se sont fait la chose jusqu'en ils ont fait même enfant. D'autres même, tellement ces chaussures, ils ont fait avortement jusqu'en 4 fois. On les envoie à la mairie et on pose la question à l'homme. Mais Seigneur Auré, est-ce que tu vas aimer Asiata jusqu'à la fin de tes jours? Il dit oui. Tu ne vas pas la tromper? Il dit oui. Tu lui seras fidèle? Oui. En Dieu, d'elle, tu ne vas pas chercher une autre femme? Oui. Que ton mariage soit une souffrance à jamais. Amen. Toi qui t'es marié comme ça. On dit à la femme, en Dieu de lui, tu ne vas pas chercher autre garçon? Oui. Tu ne vas pas chercher autre homme? Oui. Cette question-là, elle est normale. C'est la femme qui doit rester fidèle à son mari jusqu'à la fin de sa vie. Mais un garçon peut avoir le nombre de femmes qu'il veut et les encadrer comme une couronne sur sa tête. C'est une très bonne chose. Parce qu'il y a une clé qui ouvre plusieurs serrures de portes. C'est une clé magique. Mais la porte qui est ouverte par toutes les clés n'a plus besoin même d'avoir serrure. On doit l'ouvrir, tous les cafards vont rentrer. Alléluia! Le mariage, ce n'est pas ce qui se passe à la mairie. Ça, ce sont les rituels ou les cérémonies de mariage. Mais le mariage lui-même là, c'est quand un homme et la femme se sont dit « Amen », ils se sont dit « Oui » pour entrer dans le lieu secret et se déshabiller. Ce qui se passe là, c'est ça que le mariage. Amen. Maintenant, cette relation-là, vous devez l'officialiser pour honorer cette dernière. Tu te vas maintenant doter sa mère chez ses parents. Amen. C'est la dot qui est reconnue par la Bible. Ce qui se fait à la mairie là, c'est le diable qui est venu tout droit de l'enfer pour mettre l'homme au même pied d'égalité que la femme. Pour dire que l'homme et la femme sont la même chose. Ton pied, mon pied, si tu sors, je sors. Mais pourquoi? Si moi je ne monte pas sur toi, tu ne peux pas prendre grossesse. Puisqu'on a la même chose. C'est ça.
Alors, regardez une chose dans la Bible, c'est quelle écriture dit. Exode. Exode 22, 16. Dans vos églises, vos pasteurs disent que non, pour marier la femme, ou bien ils disent quand même, bon, pour marier la femme, il faut aller d'abord la doter, aller à la mairie, signer les papiers, et maintenant, c'est après avoir signé le papier. On dit que les mariés maintenant peuvent s'embrasser. C'est à partir de ce moment que vous devez découvrir la nudité, nudité plutôt l'un de l'autre. Bon, la question que moi je vous pose, au cas où tu as fini de faire tous ces rouages, la grande roubladise, avec une intention véritablement d'une soif profonde, sans fin. Arrivé à l'hôtel, tu constates que c'est ton ami garçon barbu qui par travestie s'est fait passer pour une femme. Tu veux quoi? Question. Voilà. Ou bien toi la femme. Toi la femme, tu as cru que c'est un garçon, il répond à tous tes critères parce que son visage était prêt, il a l'argent dans sa poche. Maintenant, arrivé là-bas, là, son truc là, c'est comme pipi d'araignée. Tu vas faire quoi? Elle sera une femme adultère chronique à vie. Mais attendez là, attendez. Toute bonne femme aime ce qui est bon. Mais toi, tu as quelque chose qu'on dirait pipi d'araignée. On va où avec ça? Alors qu'elle a espéré, quand elle te voit là, les lèvres, quand tu la draguais, elle était contente. Oh, Seigneur, tu m'as secouru. Enfin, il y a un bois qui va puiser dans ce puits profond que tu m'as donné. Arrivé là-bas, alléluia. Contre attente, contre toute attente, on constate que c'est crayon même que tu as crayon à tailler là. Mais on va voir avec ça. Arrivé là-bas, il va regretter à mort. C'est pourquoi Dieu dit par mesure de précaution et de prudence. Alléluia. Par mesure de précaution et de prudence, à titre préventif, Dieu demande. Exode 22, 16. Il y a un article qui a été voté de façon unilatérale par notre Dieu. C'est ça. Sans consulter qui que ce soit. Amen. Lisez l'article. Si un homme, oui, séduit une vierge. Donc tout commence d'abord par. Tout commence d'abord par. La séduction. La séduction. C'est ça. Un homme qui s'en va chez braquer femme et puis il est dans la barbarie. Lui, il ne sait pas ce qu'il veut. Il y a des gens au 21e siècle qui sont encore dans. Ma chérie, quand je te vois, je suis fan de toi. Tu es en retard. Tu ne vaux rien. Instruis-toi pour venir chercher des coups quelque part. Nous, on vient de la vraie école. Comment est-ce que ces choses se passent? Notre Dieu est l'enseignant de toutes choses. Amen. Alléluia. Alors, si un homme séduit une vierge, séduit une vierge, n'est point fiancé. Ah bon, si une femme est vierge, c'est qu'elle n'est pas fiancée. Et qu'il couche avec elle. Pourquoi l'Écriture met toutes ces précisions-là? C'est ça. L'Écriture exige la virginité et non fiançailles. C'est-à-dire que celle qui n'est pas fiancée et qui n'est pas vierge, c'est qu'assurément c'est une veuve. Si elle n'est pas veuve, c'est qu'elle est mariée. Si elle n'est pas mariée, la classe la plus populaire aujourd'hui, c'est que c'est une heure pour éviter de tomber sur une sorcière. Parce que toi, tu chausses 42. Alors que elle. Bon, chacun à chacun de prendre son numéro. Alléluia. Elle est d'une pointure qui n'est pas ta taille. Tu fais quoi? Tu mets ton pied sur sa flotte. Ah, cette chaussure-là m'a beaucoup plu, mais reste à ton coin. Mais qui est fou qui va prendre un pantalon sans essayer pour aller acheter ça? Si arrivé à la maison, ça te plaque, tu vas faire quoi? Tu vas marcher comme ça. Ou bien, tu portes route à ton brou. Mais tu apprends ce truc pour attacher, c'est là même ici est gonflé. Ici est gonflé. Ainsi, il y a les gens qui sont mariés, mais femme les domine parce qu'il n'a pas pris le temps d'essayer si ce n'est pas ça. Ici est gonflé, ça le dépasse. Et lui me flotte dedans. Quand il marche, on dirait quelqu'un dans Baldef. Ça ne se passe pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu de sagesse. Amen. Un Dieu de toute prudence. Yes. Alors, si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancé, qu'est-ce qu'il doit faire? Et qu'il couche avec elle. Il a constaté vraiment que la chose est encore vierge, il a couché avec elle. Il payera sa dot. Peu importe vous qui me jugez actuellement, mais c'est ce que la Bible dit que c'est très libre. Si vous pensez que c'est un désordre, c'est un mal, c'est Dieu lui-même qui a l'origine. Nous, notre devoir, c'est de dire ce que la Bible a dit. Amen. C'est mon devoir. Parce que vos mentalités et consciences là, je m'en fous de ça. Amen. Au dernier jugement, c'est ça là que Dieu va prendre pour me juger. Amen. Qu'est-ce que tu as pensé écrit de ma parole? Alors il a dit. Si un homme séduit une vierge, qui n'est pas fiancée, et qu'il couche avec elle, oui, il payera sa dot. C'est là maintenant qu'il va payer sa dot. Elle la prendra pour femme. Amen. C'est là qu'il va la prendre pour femme. Donc entre payer dot et l'acte sexuel, qu'est-ce qui vient premièrement? L'acte sexuel. Mais dans vos églises, est-ce que c'est ça?
Ça dit, vos pasteurs sont des rebelles. Ça dit, si vous voulez suivre ce principe biblique-là, vous mettez sous discipline. Abba la mise sous discipline. Abba! Nous ne croyons pas en ça. C'est pourquoi on dit que vos communautés-là sont des poulaillers. Ce sont des camps de concentration où règne la terreur des chefs bandits. Vos pasteurs sont des brigands. Des brigands spirituels. Alors, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, ce n'est pas biblique, cette fois, de mise sous discipline. Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution chrétienne! Dimitri! Dimitri! Alors, pour tirer la conclusion de cette affaire, le message que nous prenons n'a rien à voir avec les histoires de politique. Ceux qui veulent parler de la politique aux politiciens. Nous, notre devoir en tant que chrétiens, hommes de Dieu, c'est de ramener toutes les mentalités, toutes les consciences, tout homme dans la société à la pensée de Dieu. Tous ceux qui mènent une unité en combat et qui veulent avoir du succès de l'avenir dans ce qu'ils entreprennent, il faut que le Christ soit au centre de tout ce que vous faites. Si vous écartez Christ, vous n'allez jamais réussir. Et pour le succès de tout bon africain panafricaniste, il faut qu'il y ait la cohésion, l'entente et l'harmonie entre vous. Si vous reconnaissez en quelqu'un qui est dépositaire de la lutte que vous menez, voyez en lui et que tous les autres Africains s'unissent derrière lui. Mais aussi longtemps qu'il y aura plusieurs leaders en Afrique qui vont mener des combats différents. Pour la même cause, la chute de l'Afrique sera toujours catastrophique et palpable. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse l'Afrique. On était en direct sur First Magazine. Alors nous continuons. Bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir. Moi c'est Dimitri. C'est pas la première fois que je vous vois. L'autre fois vous me persécutiez. Aujourd'hui vous êtes venu dans une bonne posture. Oui. Moi, ce que vous avez dit, vous avez beaucoup parlé des enseignements bibliques, des oui. choses. Pas fort. Tu vois, sur moi, c'est très clair. Vous pouvez vous attaquer un peu. Dimitri, moi je t'entends, mais ceux qui sont les deux bénéficiaires aussi. Mais ce que tu dis, faut faire des bons. Non, il n'y a pas peur. Arrêtez de le traumatiser, s'il vous plaît. Peut-être que son intervention va permettre à certains d'entre vous de découvrir d'autres choses. Oui. Ah, je disais que vous avez intervenu ici les choses de la région Plepne. Oui. Et un peu parler un peu des choses de comment on appelle ça. De tout du pays, que tu as fait des planifications, tout ça là, des choses comme ça un peu de suite. Ça un peu à ton que c'est mauvais. Et tu vous as dit que non, les gens ne sont pas là faire de tout de colons, que les colons ne sont pas venus dénigrer les choses de la religion. Que pour plus de raisons, ils sont venus pour amener l'église dans la droite. Non, moi, ce que je voudrais dire là, mon problème c'est quoi au juste? Ça dit. Attends, on dirait que tu ne m'as pas bien compris. Je dis. Oui. J'interpelle tous mes frères et parents africains, panafricanistes, qui ont pris pour cible la Bible. Et qui prêchent partout, qui disent partout que la Bible est un instrument de colonisation. Je dis cela n'est pas vrai. La Bible n'est pas un instrument de colonisation. Que la chose qui a favorisé la colonisation, c'est la mentalité de l'Africain lui-même. Parce que nous ne nous aimons pas, nous les Africains. Nous nous haïssons les uns les autres. Tu vois que ton frère est en train de vendre le même produit. Non pas que toi aussi tu veux avoir les moyens, mais tu viens vendre le même produit juste pour le faire tomber. C'est ça qui a colonisé l'Africain. Il vient donner un seul miroir au chef du village et il prend tout le village. Et le chef du village en faisant ça, il ne prend pas ses propres enfants, mais sont les enfants des autres. Voici ce qui a favorisé la colonisation. La Bible n'a rien à voir. Quand quelqu'un se lève un bon matin, il organise un groupe avec un fusil pour aller attaquer un autre qui est en paix. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le colon, mais c'est la mentalité africaine elle-même qui est devenu l'instrument de colonisation de l'Africain lui-même. Sinon, l'Africain, dans son état pur, c'est quelqu'un de bien. Mais il a été corrompu par le mal. Voici ce que je suis en train de dire. Et tous ceux qui mènent un combat panafricaniste, ou bien qui mènent un combat pour la réussite dans ce qu'ils font, il faut que Dieu soit au premier plan de ce qu'ils font. Aussi longtemps qu'ils vont écarter Dieu, c'est leur propre mentalité de méchanceté qui vont les ruiner. Voici ce que je suis en train de dire. Maintenant, je voudrais proposer une chose aussi, vous donner une question. Pour voir les choses de comment ça, la religion. Oui, tous les hommes de Dieu qu'on voit à travers la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs groupes religieux qui se réclament des vrais hommes de Dieu. Oui. Je voudrais savoir juste qui est le vrai homme de Dieu aujourd'hui. Jean chapitre 3, le verset
34. Les gens à côté là-bas, là. Jean 3, 34. En réalité, le véritable homme de Dieu, ce que tu as dit, effectivement, c'est vrai. Et tu n'es pas le premier à faire ce constat. Mais le constat lui-même a été fait par la Bible, d'abord par l'Esprit du Seigneur dans les Écritures. J'ai regardé un peu le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens 11. Regardez ce que la Bible dit. Et aussi, Matthieu chapitre 24, le verset 24. On va lire ces deux passages. Celui qui a le premier commence. Matthieu 24, 24. Écoutez ce que l'Écriture dit. Car il s'élèvera de faux Christ. Jésus lui-même là, il va avoir sa photocopie. Nous on fait des chiffres là, c'est quoi d'aujourd'hui sa date. Jésus aussi a son chiffre. Et c'est lui-même qui a annoncé ça. Il a dit aux gens de faire attention. Il dit aux gens de faire très attention. Que moment que vous voyez que je suis le véritable là, les gens ne vont pas avoir la crainte, mais ils vont venir avec ma photocopie. Pour dire que c'est l'original. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Hein? Et des miracles. Au point de séduire. S'il était possible. Même les élus. Ça veut dire qu'un élu de Dieu ne sera jamais séduit. Donc il y aura beaucoup de séducteurs. Oui, frère. 2 Corinthiens 11, 13. Matthieu 7, à partir du verset 13. Le chemin qui mène à l'enfer est celui qui mène au paradis. On va faire la contemplation de ces deux sphères qui sont appelées cités, soit l'enfer et le paradis. Entre ces deux cités, laquelle des deux va être plus peuplée que l'autre? On va voir. 2 Corinthiens 11, 13. L'écriture dit quoi? Ces hommes-là sont des faux apôtres. Sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Effectivement, tu n'es pas le premier à faire le constat. Ils sont beaucoup comme ça. Ils sont pleins. Oui? Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même. Le chef Satan lui-même. Se déguise en ange de lumière. Donc il n'est pas étrange. Oui. Que ses ministres aussi. Se déguise en ministre de justice. Voilà. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est l'enfer qui les attend. Et l'Écriture dit. Matthieu 7, 13. Oui. Entrez. Par la porte étroite. Comme il y a le faux Christ. Il y a les faux prophètes, il y a les faux apôtres. Vous, mes enfants, faites attention. Entrez par la porte étroite. Petite porte. Petit chemin. Il y a des gens qui disent que. Moi, je vois souvent les gens qui font trop libre. Permettez que je raconte un peu cette histoire banale. Là. Ils disent que quand quelqu'un fait comme ça, c'est un Illuminati. Vous êtes des plaisanteurs. Hein? Donc, il fait comme ça, je suis Illuminati. Et quand tu fais comme ça, c'est le signe de l'Antéchrist. Vos bas bien, je fais comme ça. Voilà. Si tu as fait comme ça, tu es un Illuminati. Tu as fait comme ça, tu es un Illuminati. C'est écrit dans quelle Bible? Les gens sont esclaves de leur propre conscience. Oui. Entrez par la porte étroite. Quel large. Et la porte. Spacieux. Et le chemin qui mène à la perdition. Boulevard, grand chemin, est celui qui mène en enfer. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup qui entrent par là, n'est pas dit peu. Beaucoup qui entrent par là. Vous comprenez? Donc, il est notoire que sur la place, il y a de faux. Beaucoup de faux. Maintenant, celui que Dieu envoie là, sa particularité, c'est quoi? Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé, nous, la seule chose que nous avons reçue de Dieu, qui nous permet d'identifier un véritable envoyé de Dieu, un authentique serviteur de Dieu, ce n'est pas sa façon de manger, ce n'est pas sa façon de marcher, ce n'est pas sa façon de parler, mais c'est la doctrine qu'il a dispense, le message, l'évangile qu'il prêche. Sinon, au-delà du message qu'il prêche, c'est un être humain comme tout autre. Il a ses défauts, il a ses limites. Quelle que soit la grandeur d'un artiste dans la société, il reste toujours un humain. Il a ses faiblesses. Mais quand tu vas le prendre, maintenant le mettre dans le contexte de son travail, ça c'est autre chose. Alléluia. C'est comme un professeur de mathématiques. Ou bien il y a un grand orateur parmi nous ici. Il est arrêté là, on ne peut pas savoir que c'est un orateur. Un grand orateur charismatique. On ne peut pas savoir qu'il est un orateur. Quand il marche, il ressemble à quelqu'un de bien. Mais il faut lui donner le cachoir devant le public. L'homme qui est bizarre, c'est comme ça, il est. Ça veut dire que ce n'est pas sa façon de s'arrêter.
de marcher qui détermine son talent. Non. Un maître de Samashi aussi, c'est pas parce qu'il pratique le Kung Fu, yoga ou bien taekwondo, quand marchant dans la rue va faire les faces. Quand il fait ça, ça veut dire que c'est un début de folie. Mais il faut mettre le maître sur le tatami. En maillot ou bien pas en kimono ou bien pas en kimono, il faut le provoquer. C'est là que tu vas découvrir que c'est une dimension qui est cachée là. C'est la même chose aussi dans le domaine spirituel. Ce n'est pas le comportement, la façon de marcher, d'agir, de réagir dans la société d'un serviteur de Dieu qui authentifie son ministère ou son appel. Mais ce n'est pas la doctrine qu'il vécu. C'est la doctrine, le message qui prêche. Ainsi il est écrit. Jean 3:34. Oui. Car celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé. Dis les paroles de Dieu. Il a le comportement de Dieu. Dis les paroles de Dieu. Il a la conduite de Dieu. Dis les paroles de Dieu. Dis les paroles de Dieu. Quand Dieu ne donne pas l'esprit à mesure. Ce qui est né de l'esprit, esprit, et ce qui est né de la chair, hein? Yeah. Tu es poussière, tu retournes la poussière. À vous qui me couchez, si vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez pécher. Et vous devez pécher, et vous péchez même. Vous péchez, et vous pécherez encore abondamment. Parce que l'homme est né et créé comme ça. Mais ce qui est de Dieu qui est en lui, Jean chapitre 3, le verset 4 à 6. Jean 3, 4 à 6. Effectivement. Jésus répondit. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Ah mais comment ça? Comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Quelqu'un qui est déjà vieux va naître comment encore? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Oui. Jésus répondit. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et de la parole et de l'esprit de Dieu. Oui. Si un homme n'est pas doué d'esprit, oui, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Hein? C'est qui est né de la chair. Tu es né de la chair ou tu es là. Si tu as sommeil, il faut aller dormir. Si tu as faim, il n'y a pas de prière, il faut manger. Si tu es fatigué, il faut te reposer. Si on t'a blessé, la douleur doit monter, le sang doit couler. Il n'y a pas de prière à faire pour arrêter ça. Est-ce que tu peux comprendre? C'est la même chose. De même aussi, ce qui est né de la chair, oui, est chair. Hein? Et ce qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit, est esprit. Est esprit. Oui. Jean 6 à 63. Hein? C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Il y a les gens qui ont dit la chair de l'homme ne peut pas faire bonne chose. Ils ont dit non, non, non. La chair fait bonne chose. D'accord. On a compris. Mais d'où vient que toi-même tu te masturbes aussi? Il se met sous welcome et puis. Et puis il est joyeux, il sourit. C'est tout cela nous on a vu et puis on nous a dit que la chair n'est pas bonne. Chair de l'homme là ne produit pas bonne chose. La chair produit toujours ce qui est mauvais. Mais c'est l'esprit seul qui manifeste bonne chose. La chair ne sert de rien. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas moi, c'est-à-dire dans ma chair. A dit l'écriture. La seule chose qui est bonne là, c'est l'esprit de Christ qui habite dans mon âme. Amen. Et Dieu nous jugera, non pas sur la base de nos comportements, mais sur la base de notre foi. Amen. Voilà qui est clair. Oui. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites. Sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Vous encore du voyez ici, quand vous prêchez la vérité, ça ne vous plaît pas. Quand nous vous parlons, vous ne croyez pas, vous n'écoutez pas. Mais voici vos pasteurs. Il coupe la tête des chantres pour aller faire des sacrifices, faire prospérer son église. Quand on vous dit que ces gens-là ne sont pas des vrais hommes de Dieu, les gens pensent qu'on parle mal. Ce sont des ouvriers de malheur. Donc, comment on peut comprendre un berger qui s'en va couper la tête de sa brebis? C'est méchant. Un pasteur qui coupe la tête de son chantre, chantre même qui chante ton nom, il chante pour toi dans l'église, tu coupes sa tête. Bon, toi là. Si Satan lui-même te voit, il va fuir loin de toi. Le diable va venir prendre le coup de méchanceté à toi. Vos pasteurs sont des maudits. À l'époque, quand nous dénonçons ça, au temps de Béazel, souvent il a dit, les gens ne voulaient pas nous écouter. Ils ont dit qu'on avait faim, qu'on était affamé, on était jaloux, on était pauvres, c'est qu'on s'attaquait aux plus riches parmi les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas des hommes de Dieu en réalité. Ce sont des mafieux déplatés, des féticheurs déplatés, des brutaires spirituels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour faire prospérer les églises, ils partaient prendre les avortons. Ils coupaient des gens pour enterrer. Béazel avec Soumayadi sont venus, ils ont crié pour dire, nous on a les preuves que si les gens ne croient pas, que l'État nous met à la disposition la RTI avec l'armée pour nous sécuriser, on va aller, on va creuser pour détruire ça, pour vous montrer.
Quand ils ont dit ça directement, ils ont pris Béazin Souma, il a dit directement en prison. Et maintenant, ils s'amorcent sur les médias pour dire Béazin Souma, il a dit persécute l'église de Côte d'Ivoire. Vous êtes maudits. Béazin, à l'époque, Souma, il a dit qu'il était le persécuteur de l'église, soit en prison, et l'église. Les pasteurs, les persécuteurs sont en liberté. Entre le persécuté et le persécuté, qui doit être en prison? Vous serez toujours confondus ici en Côte d'Ivoire. Vos pasteurs sont des sorciers. À bas les crimes rituels. Les crimes odieux. Les pasteurs marabouts. Les pasteurs bruteurs. Et la gloire. À Jésus. Autorité. À Jésus. Majesté. À Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. Alors, frère, voilà un peu ce que vous voulez te dire sur cette question. Oui. Ma dernière question, c'est pourquoi on fait ça? Je vais faire un peu quand même le tout, regarder un peu dans les coins où on voit les bibles. Oui. Mais ce qui est constaté dans les bibles, c'est qu'il y a plusieurs auteurs de la Bible. Plusieurs. Chacun se réclame de plusieurs versions de l'auteur de la Bible. Oui. Et là, il y a une problématique. Où moi je suis là? Pour moi, je suis là, je n'ai pas de problème de traduction biblique. C'est ça. La version que tu te convainc, viens, je vais discuter avec toi là-dessus. Ouais. Vous comprenez? Il y a certaines choses qu'il y a envie de dire, mais à cause de ce qui est, du climat qui prévoit, je ne veux pas parler de ça. Je préfère rétrécir ou bien réduire mon champ d'action verbal ou bien mon allocution. Sinon, je n'ai pas de problème avec un document quelconque. Mais c'est l'idée que l'on a. L'interprétation que l'on a de tous ces documents-là qui posent problème. Tu comprends? Sur les documents qui disent ouvertement que tous ceux qui croient ça vont aller en enfer. Mais les gens croient ça quand même. Alors, 2 Corinthiens 3, le verset 6. 2 Corinthiens 3, le verset 6. Dieu nous a aussi rendu capables. Dieu nous a aussi rendu capables d'être ministre. D'être ministre. D'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Nous ne sommes pas ministres de la lettre, mais de l'esprit. Voilà. Car. La tradition publique qui te convient là, prends-la et viens me poser la question. Je vais t'éclairer là-dessus. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est d'avoir la révélation de ce que l'Écriture a dit. Amen. Parce que c'est Christ qui sauve, non pas la lettre. Amen. Les Juifs eux-mêmes qui avaient la tradition originale de la Torah, même crucifié Jésus, et l'ont traité de bataille, de prince et de démons. C'est ça. Tu vois, tu peux dormir sur l'originalité de la Bible comme oreiller ou coussin. Et puis aller en enfer, sans toutefois avoir la révélation qui est dedans. Mais moi je suis là, je ne dois pas sur ça, mais il y a Christ en moi, parce que j'ai percé le mystère de la divinité suprême de Christ. De Christ. Yes. Yes. Alors frère, nous voilà un peu ce qu'il voulait te dire à ce sujet. Ok. Ouais, Dimitri. Au suivant. Monsieur Guy. Ouais, Guizo. Guizo l'Ivoirien. Il dit, moi, un Ivoirien, je suis à la Solomon, plus me menace. J'ai aimé sa franchise. C'est bien ça. Vous derrière, vous pouvez faire un peu en arrière. Parce que vous avez envoyé le caméraman. Bonsoir, monsieur. Sa fille de sécurité est noyée par l'événement. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Bien, moi, c'est Guy Thibault. C'est pas un débat simplement. La première question est que, notamment, vous m'avez dit tout à l'heure que on ne fait pas école pour être pasteur ou homme de Dieu. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit on ne va pas à l'école pastorale pour devenir pasteur, prophète, docteur, évangéliste. En un mot, on ne va pas à l'école biblique pour devenir serviteur de Dieu. Très bien, c'est ça, merci bien. Mais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous. La réalité que vous, j'ai l'impression que vous faites chez moi, que vous m'écoutez, c'est une répétition. Vous répétez les choses que vous avez dit. Si moi aussi je répète les mêmes choses, et puis le remis ici, et puis après nous écoutons. Mais dites-moi. Vous qui n'avez pas fait moi cette année d'école là, quel est le message? Comment est-ce que je peux croire? Parce que votre maître, je connaissais, il venait ici, on l'appelait Agotio, mais on m'a dit qu'il n'existait pas. Père son âme.
Vous-même, il y a une partie de la paix. Vous n'avez pas besoin de dire paix à son âme. Bon, ok, vous avez compris. Ce sont les égarés qu'on prononce là, nous apprenons les dessins. Bon, okay. On dit vous pouvez voir paix à son âme parce que vous n'avez pas la paix de son vivant. Okay. Maintenant... Tous ceux qu'on prononce là, non. Après les décès, plus du paix à son âme sont des oubliés qui sont en enfer. Ouais. Nous, notre Père, rentrer dans le repos du Seigneur. Ouais. On n'a pas besoin de dire semer la gloire Dieu, paix à son âme. Non. Ok, j'ai compris. Vie éternelle. Donc, au moment où il était vivant, à son vivant, vous étiez à côté de lui. Mais aujourd'hui, il n'est plus vous parler. N'est-ce pas? J'ai l'impression que vous avez appris à ce moment. Chez moi, c'est comment il comprend. Vous avez appris auprès de lui, aujourd'hui, vous parlez. Et vous dites aujourd'hui que. Les personnes qui ont fait l'école là, moi, chez moi je vois que ça comporte un peu. Donc dites quelque chose sur ce point là. Ce que je vais te dire, c'est que je n'ai pas été recruté par mon maître pour dire viens faire formation pour devenir pasteur, prophète et docteur. Ou évangéliste. Lui n'a pas une école qu'il a créée et chaque année recrute pour faire entrée académique. On va faire inscription. Pour étudier, après on compose. Ce que je suis en train de faire là, je n'ai pas composé. Et avoir un diplôme. Signé pour dire vraiment, tu as bien travaillé cette année-là, tu es majeur de ta promotion. Tu as 18 sur 20. C'est pas comme ça. Vous comprenez? Ce que je suis là, c'est ce que j'ai été avant la fondation du monde. Amen. Mais comme Dieu a sa façon à faire pour réaliser ses desseins, qu'est-ce qu'il fait? Il a destiné ce bel agotio à la vie éternelle. Il m'a destiné à la vie éternelle. Il a destiné ce bel agotio à prêcher l'évangile. Il m'a destiné aussi à prêcher l'évangile après ce bel agotio. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il me tire et me place sur le chemin de ce bel agotio pour que ce que ce bel agotio prêche là, je puisse entendre ça. Pour réveiller à moi ce que j'étais déjà. Amen. Du coup, le message. Le message de mon père ce bel agotio est comme la pluie et moi je suis une semence. Tu comprends? La pluie qui descend, quelle que soit l'abondance de la pluie, elle ne vient pas pour changer la nature de la semence qui est dans le sol. Mais la pluie vient simplement pour révéler la nature de la semence qui est dans le sol. Du coup, le ministère de ce bel agotio est la pluie du Seigneur qui descend sur la semence que moi je suis. Alors cette pluie-là vient pour manifester la nature que je suis. Et ce que je suis là aujourd'hui, et ce que j'ai été avant la fondation. Sinon, si ce n'est pas le cas, si c'est comme ça là, pourquoi tout le monde ne parle pas comme ce bel agotio? Il a existé, beaucoup d'hommes, vous-même vous l'avez connu, pourquoi vous ne parlez pas comme lui aussi? Mais c'est une affaire de destin, c'est une affaire de prédestination. Nous lisons Jérémie chapitre 1. Jérémie 1, 4 à 5, dans le chapitre 1. Le verset 15. Oui, frère. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Avant que je puisse se former dans le ventre de ta mère. Avant que je puisse se former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein. Avant que tu puisses sortir de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Je t'avais établi. Prophète des nations. Vous voyez? Donc l'appel, la vocation céleste. Le mandat divin là, c'est depuis le sein. Depuis le saint maternel, c'est pas une affaire de quand tu es là, on jette quelque chose à l'air, on lutte, et puis le plus fort prend. Non, mais c'est une affaire de prédestination. Je suis la chose avant ma naissance. Alors je nais, Dieu met un de ses moins authentiques serviteurs sur mon chemin, ou bien il me met sur le chemin plutôt, puisque je ne peux pas dire mon chemin pour dire que c'est moi qui l'ai frayé, mais c'est celui qui est devant qui ferait le chemin. Alors il me met sur le chemin de son authentique envoyé. Alors il manifeste ce que je suis simplement. Vous voyez un peu? Oui, frère. Galatiens 15. Hein? Mais, lorsqu'il plut, à celui qui m'avait mis à part. À celui qui m'avait mis à part. Dès le sein de ma mère. Vous voyez, toujours. C'est depuis le sein maternel. Dès le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce. Et qui m'a appelé par sa grâce. Il m'a appelé par plus grâce. Enfin. De révéler à moi son fils. De révéler à moi son fils. Afin que je l'annonçasse. Le verbe annoncer. Oh, vous l'avez compris, parfait plutôt. Vous voyez, afin que je l'annonçasse. Vous voyez, alors vous ne pouvez pas faire croire aux gens qu'il allait étudier et puis c'est le produit des études, d'un examen avec un diplôme qu'il a reçu qui est en train de se concrétiser là. Non. Vous voyez,
mais c'est ce qu'il est dès le sein maternel. Alors le Seigneur manifeste ça maintenant. C'est la même chose dans mon cas. Ésaïe 49. Ésaïe 49, premier. Tu es béni. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Peuple lointain. Peuple lointain. Soyez attentifs. Parce que les gens qui connaissaient Ésaïe savent comment il est né au milieu d'eux. Comment il a grandi. Mais cet homme-là, il est sans niveau. C'est un quelqu'un qui. Mais où, on connaît bien sa vie. Où il enlève ces choses qu'il est en train de nous prêcher là. Alors Jérémie va. Ésaïe va leur répondre maintenant. L'Éternel. L'Éternel. M'a appelé dès ma naissance. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé. Dès ma sortie des entrailles maternelles. Il n'a pas dit dès la sortie de l'école pastorale. Et il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. À bas les écoles pastorales. À bas. Les petits séminaires. À bas. Moyens séminaires. À bas. Grands séminaires. À bas. Je suis plus grand que Salomon. Amen. Je suis plus grand que Salomon. Amen. Tous ceux qui prêchent que la carte pastorale est la marque de la bête sont des bâtards spirituels. La carte pastorale n'est pas la marque de la bête. C'est nous, on a dit ça, on est encore là. Tout à l'heure. Oui, vous avez tout le temps, c'est votre droit. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de Biazé qui voulait dévoiler. Pas qui voulait. Ouais, qui a dévoilé le secret. Et l'état d'alors l'a étouffé. Voilà. C'est le choc qui a tiré les bébés. À ce sens, effectivement, tu sais à quoi tu vois ici, effectivement. C'est vrai. Mais ces pasteurs qui a tiré les bébés là, leur objectif, c'est pour de l'argent. Ça fait l'objectif. Mais dites-moi. Monsieur Agodio, comme dit le pasteur Agodio, mais le prophète Agodio, à son vivant, pardon, il avait un peu de. Ça m'a fait mal qu'il n'a pas été privé même. Voilà, voilà ma question. Parce que l'objectif aujourd'hui d'un pasteur qui font cela, qui vont à l'école et puis cherchent un médicament pour faire de l'argent pour l'argent. On sait ça nous tous. Et nous on vient ici au jardin pour écouter. Et Agodio, le prophète Agodio, il avait cet argent aussi. Il était pasteur, il ne travaillait pas quelque part pour dire cet argent, mais dans ta terre. Mais l'église, et il avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui encore, dans, la même église, il y a d'autres groupes qui l'ont quitté. Je vous écoute bien. Qui l'ont quitté, ils disent que c'est un faux. Aujourd'hui, il n'est plus. C'est vous qui êtes là. Mais est-ce que vous aussi, chez moi, dans ma tête là, vous ne cherchez pas aussi le matériel. Et vous dites que vous êtes. Vous prêchez la parole de Dieu, c'est le Créateur, le vrai vérificateur. Vous dites la vérité. Mais est-ce que c'est pas que vous cherchez de l'argent que vous faites. C'est les répétitions, il ne comprend pas. Dieu merci. Ceux que vous allez écouter là-bas qui disent qu'Abodi est faux là. Allez-y sur le net, sur notre chaîne YouTube. C'est une information que vous demandez juste pour chercher. Allez-y sur notre chaîne YouTube. Nos vidéos qui datent de 15 ans. Et ils ont commencé à prêcher cette année, mais l'année passée, ou surpassée. Allez-y voir nos vidéos là. Et venez les écouter. Après nous avoir insultés, traités de tous les noms. Écoutez ce qu'ils disent. Vous allez voir s'ils disent quelque chose de nouveau. Ce sont eux au contraire qui cherchent l'argent. Ce sont eux qui sont animés par la soif de leadership. Pourquoi c'est Agodio qui est devant et puis c'est pas moi qui suis devant. C'est tout le monde qui est là. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Sinon si je dis que lui là c'est le diable et que c'est Satan. Si j'abandonne Satan, tout ce qui est de Satan là, je dois simplement. Ou bien, je laisse tout. Mais vous dites que le monsieur est diable, il est Satan. Mais son message, sa façon de prêcher, ses slogans, ses cris de guerre, même les tests bibliques qu'il prend, même les réponses qu'il donne dans les questions, même les noms qu'il énumère, ce sont les mêmes choses que vous récitez. Ça veut dire que c'est la jalousie. C'est le propre de l'Africain. Ils sont victimes du cloîtrement de leur propre conscience archaïque de méchanceté, d'égoïsme et d'ingratitude. Sinon, cela, leur existence est due à Sobel Agodio. Tout le monde, je suis le major de cette génération-là. Mon aîné aussi est dans la foule ici. On a notre major. Moi aussi, j'ai mon major qui est là.
Parce que quand je parle de majeur, je parle de ces étoiles que nous on a trouvées. Après leur vague, que c'est moi qui prenais la parole dans ma génération. Ces bâtards que vous voyez là-bas, là, c'est moi qui leur ai prêché l'évangile, qui les a baptisés, et même je les ai introduits chez mon père spirituel. Il les a enseignés, il les a instruits. Et même il les a nourris. En plus, il a bâti des églises où il leur a demandé de prendre 10 mots aux francs qui sont là-bas. Mais pourquoi, où ils sont là-bas là, lui encore il ne leur donne pas voiture. Il y a d'autres même, les assemblées qui dirigent le matériel sonore qui est là-bas, ils prennent, ils vendent ça pour aller faire funérailles. Il y a d'autres même qui s'en vont pour danser dans le maquis. Mais si on vous envoie pour travailler, vous ne travaillez pas, que vous n'avez rien. Pourquoi regarder derrière pour lui? Pourquoi lui la voiture? Mais pour prier Dieu, Dieu va te donner une voiture. C'est tout. Ce sont des fainéants qui sont remplis de jalousie. C'est ça. C'est tout le problème qu'il y a. Sinon, demandez-leur, menez vos enquêtes. Qu'est-ce qu'ils obéissent à Godou à prêcher qui n'est pas biblique? Ils n'ont pas le courage. Demandez-leur aussi, vous prêchez là, qui vous a baptisé? Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dès l'instant que tu as su que ce qu'on t'a prêché n'est pas la vérité et que celui qui t'a prêché est le diable, et le diable en le quittant, maintenant que tu as découvert la vérité, tu dois systématiquement te faire baptiser. Voilà qui est clair. Tu dois te faire baptiser. Mais ils ont gardé le baptême de Jobel Agudio. Le titre qu'il leur a donné, parce qu'aucun d'eux, Dieu jamais n'a dit qu'ils sont pasteurs ou évangélistes. C'est Jobel Agudio qui dit qu'ils sont évangélistes. C'est Jobel Agudio qui dit qu'ils sont missionnaires. Les titres, ou bien docteur, c'est le titre que Jobel Agudio leur a donné là. Lui qui est le diable là, c'est ça, c'est le même titre qu'il garde. Ça fait. Moi, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Je n'aurai jamais honte de mon père. Amen. Ce qui m'a prêché, je suis fier de ça. Amen. On peut reprocher tout à tout le monde. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses. Lui aussi, il en a eu. Puisque c'est un être humain, pris parmi les hommes pour être serviteur de Dieu. Amen. Au-delà de sa vie d'homme, par rapport à ce qu'il a prêché, c'est un authentique serviteur de Dieu. Amen. Et moi, je suis fier de lui jusqu'à ma mort. Amen. De ce qui m'a prêché là, je ne changerai pas de bouche. Amen. Parce que ça ne sert à rien à dire que quelqu'un est diable et puis prêcher ce qu'il prêche. Quelqu'un a fait un propre projet de société, son programme de gouvernement, tout est propre. Comme tu es animé de jalousie, tu l'attaques, tu le cattes, tu récupères ses projets et puis tu dis que tu es fort. Alors qu'il a déjà financé tous ces projets-là. Tu n'es pas fort. Ce sont eux qui sont là. Alléluia. Alors si ce qu'il prêchait était bon. Alors si ce qu'il prêchait était bon. Silence s'il vous plaît. Un gars. Alors si les cris, les slogans qui poussaient les messages qui prêchaient étaient bons, pourquoi ne pas rester toujours à l'ombre du maître, avoir sa bénédiction et prospérer dans ce que tu fais? Donc, crier, il est Satan, je vais dire. Non, je n'ai pas ce temps-là. C'est parce que vous avez posé une question sur eux que je me suis prononcé. Sinon, la bénédiction, nous reconnaissons que Dieu bénit. Amen. Dieu bénit quelqu'un qui est fidèle dans son service. Amen. Ce bel Agudio, je l'ai connu il y a quelque chose de 18 ans de cela. C'est un monsieur qui est honnête dans ce qu'il fait, qui est fier de son travail qu'il fait, qui n'a jamais plié genou devant qui que ce soit à cause de l'argent. Mais il a toujours regardé à son Dieu dans ce qu'il fait. Il a commencé dans la galère, il a commencé dans la misère, dans la pauvreté, dans une maison trouée. Et moi-même, je l'ai trouvé chez lui. Quand il pleuvait, je dormais dans un couloir. Et la pluie vient me chicoter. Plein même le savent, il y a un d'entre eux-mêmes. Quand je prêchais ici à la Sorbonne, et qu'on est allé chez le maître la première fois, il m'a vu. Vous savez comment il a dormi? Je finis de prêcher, la foule m'a tout comme ça. Je m'avais me coucher dans le couloir, il attend que tout le monde pas dormi. Et je parlais, je prends un morceau de pain, je me couche. Et lui, je lui demande de se coucher dans le fauteuil. Il est scandalisé. Donc j'ai dit, on sait si tu dors. Maison coûte combien? Il dit, c'est pas le prix de maison qui me manque, mais il y a un savoir qui me manque. C'est ça. Et c'est ça, il y a vu ce trésor-là dans ce tome-là, et c'est ça que je suis. Qu'il soit vilain, qu'il soit bagarreau, qu'il soit comme ça, qu'est-ce qu'il prêche? Quel est le combat qu'il mène? Et c'est ça, je dis aux Africains, aussi longtemps que vous allez avoir plusieurs leaders à la fois, qui vont mener les combats parallèles pour la même cause, parce que voulant émerger sur les autres, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tenter toujours d'éliminer celui qui est là. Voici le mal
de l'Africain. Et en éliminant tel ou tel, ces paillassons qui sont là ne vont pas être d'accord avec toi. Alors qu'au départ, vous militez pour la même cause. C'est pourquoi, pour la réussite de tout combat que les gens mènent ça et là, que ce soit au plan spirituel, économique, religieuse, politique, il faut avoir un modèle en qui tous se reconnaissent partout dans toute l'Afrique et tous les Africains doivent faire bloc autour de lui. Mais aussi longtemps qu'il y aura 2, 3, 4 têtes qui mènent le même combat, la victoire ne sera jamais possible. C'est ce que moi j'ai compris. Et j'ai gardé ma sérénité derrière mon leader, à ses côtés, je l'ai soutenu jusqu'à son dernier souffle. C'est mon devoir de disciple. Il n'est pas mon ami, il n'est pas mon collègue, il n'est pas mon camarade, il n'est pas mon contemporain, mais il est mon père et moi je suis son enfant. Il est mon maître et je suis son disciple. Et comme quelqu'un le disait, c'est sa conclusion qui est moi mon introduction. Je suis fier de le dire aussi. Et tous, ces déserteurs, alléluia, ces déserteurs m'en veulent. La seule chose qui me reproche, demande-leur qu'est-ce que je dois prêcher qui est faux, ils ne te diront pas. La seule chose qui me reproche, pourquoi je n'ai pas soutenu leur cause pour combattre mon maître. C'est tout ce qui me reproche. Qu'il y a. Pourquoi moi je ne combats pas mon maître comme eux le combattent. Ils disent que je suis lâche. Mais il va combattre, tu dis mon maître, puis tu me tiens pour le combattre. Est-ce que ça va? Je ne peux pas le combattre. Même, quel que soit ce qu'on lui reproche, moi, j'ai vécu avec l'homme, j'ai dormi dans son sein et j'ai été élevé. Quand je le connaissais, j'étais encore très jeune. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, j'ai 41 ans maintenant. À 9, 18 ans dessus, c'est là que j'avais. Donc, je n'avais pas barbe quand j'étais chez lui. C'est lui qui a fait comment s'habiller, comment se tenir en public, comment parler aux gens, comment évoluer, comment. Tout! Tout ce que j'ai fait, mon père biologique n'a pas fait sur moi. Je n'ai rien hérité de mon père biologique, si ce n'est le corps physique. Mais quant à ce qui concerne ma carrière en tant que prédicateur, missionnaire, prédicateur de la révolution chrétienne, tout cela est dû à Zobel Aboutiou. Et je le dirai jusqu'à la fin de mes jours. Alors, voici un peu. Oui. Oui, oui. Là, je les ai mis dans la Bible. Je vais vous écouter un peu. Bon, je ne sais pas si il n'est pas bien, mais écoutez un peu l'esprit. Oui, mais voilà. Je vais mettre la Bible. S'il vous plaît, écoutez. Dites-moi, concernant Adam et Ève, oui, vous avez parlé tout à l'heure un peu d'Adam et Ève, donc, mais je ne sais pas bien maîtriser un peu, mais vous allez m'expliquer. La Bible dit qu'ils ont mangé, le fruit. Hein? Vraiment le fruit. Bon, chez moi, il y a d'autres qui disent aussi que c'est pas les fruits, mais c'est les rapports sexuels. Maintenant, dans votre développement tout à l'heure, en développant, vous avez parlé d'une femme à 18 ans, Ève, et un mâche seul, avec nu dans le jardin. Je vais aller à l'essentiel. Donc, je demande si c'est les rapports... C'est que c'est passé en Éden là. Voilà. Ce n'était pas pomme qu'ils ont mangé. C'est l'homme, l'être humain, était esclave de sa propre conscience, était coupable de son innocence et de son ignorance plutôt. Qui raconte ces choses. Sinon, en réalité, en Éden, c'était des purs rapports sexuels qui ont eu lieu. Le serpent ancien, là, c'est pas un reptile comme les gens le croient. Mais c'était quelqu'un qui était à l'image d'un être humain parfait. Et qui est venu causer avec Ève, qui l'a dragué, elle a accepté, et il a déviégé Ève. Et le fruit de ces rapports sexuels-là, ce travail-là s'est soldé par une grossesse. Qui sont les Écritures, vous-même, vous allez voir. Le serpent. Genèse 3, premier. Oui. L'homme et sa femme. Le serpent. Oui. Le serpent. Le serpent. Était le plus rusé. Était le plus rusé. De tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Écoutez très bien. C'est quelque chose de très codé. J'ai hâte de connaître ça pour ceux qui sont nés pour comprendre. D'autant que vous êtes là, il y a des gens qui sont nés pour ne pas être sauvés, donc vous n'allez jamais comprendre. Ne m'en voulez pas si vous ne comprenez pas. Oui. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Oui.
Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et vous ne toucherez point. Et vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Oui. Vos yeux s'ouvriront. Entre nous. Et que vous serez comme des dieux. C'est quel fruit on mange et puis on découvre l'intelligence. Pomme là, il y a une science qui démontre que quand on mange pomme, on devient intelligent. Tu t'en rends compte de ta nudité quand tu manges pomme. On va voir, quand ils vont manger là, ils vont voir quoi? La femme. La femme. Vu que l'homme était bon à manger. Il n'a pas dit c'était doux, hein, parce que quand tu manges là, le goût est délicieux, doux. Mais il dit, l'arbre était bon. Oh bon, c'est le désir. Qu'il est bon ton amour. Alléluia. Amen. Oui, frère. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La Bible ne dit plus maintenant le fruit de l'arbre, mais il dit l'arbre lui-même. Reprends un peu la partie là. La femme, vu que l'arbre était bon à manger. Il n'a pas dit le fruit était bon à manger, mais l'arbre lui-même était bon à manger. Et agréable à la vue. Tu vois comment le langage change soudain, de façon subtile. Il faut quelqu'un pour attirer ton attention, pour faire attention à ça. Oui, frère. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Regarde, hein, le serpent. Souvent les gens parlent pour dire que même le diable lui-même en Éden n'est pas allé vers Adam, parlant des homosexuels. Satan lui-même, le père du mal, n'est pas allé vers Adam, mais c'est vers Ève qu'il est allé. C'est profane. De la sagesse africaine là, connaissent très bien cette chose-là, que c'était les rapports sexuels qui ont lieu. C'est pourquoi ils disent que le diable n'est pas allé vers Adam, parce que Adam ne répond pas aux critères de la jouissance profonde, de laquelle il avait besoin pour se procréer. Donc il n'est pas un homosexuel, il sait que pour se procréer, il faut la femme. Alors il est allé vers Ève. Arrivé là-bas, il l'a séduit, elle lui a donné la chose. Il lui a donné la chose, elle a mangé. Ne voyez pas manger ici là comme on prend pour mettre dans la bouche. On va voir tout de suite c'est quelle bouche ils vont cacher. Oui frère. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Et en mangeant. Et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Comprend simplement qu'après avoir déjà, comme on le dit dans le langage, nous aussi, le rôle du sexe là. Elle dit à son mari, ah, est-ce que tu vois là? Chose, est-ce que tu connais son importance? Attends, Gaou qui le teigne. C'est ça. Elle a insisté. Quand Adam a goûté là, attention. Tu vas voir sa réaction. Elle en mangeant. Elle au moins, elle a été discrète, mais lui-même là, il a trop exagéré de façon partielle. Et son fils a été mis dehors. Elle a donné aussi à son mari. Elle a donné aussi à son mari. Il était auprès d'elle. Oui. Et il en mangeant. Qu'est-ce qui va se passer? Les yeux de l'un et de l'autre. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc Dieu les a créés depuis, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est quel fruit toi tu manges et puis tu découvres que tu es nu. Pour manger pomme là, tu as besoin de te déshabiller. Tu as besoin de te déshabiller. Quelqu'un qui est à table avec sa femme et ses enfants. Donc quand il finit de manger, il découvre vraiment qu'il est. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Dès qu'ils finissent de manger à table, ils découvrent qu'ils sont nus. Non, c'est pas comme ça. Mais il s'agit des rapports sexuels. Oh, en réalité, depuis qu'il était nu là, il ne connaissait pas l'importance de la nudité. Il n'avait pas la révélation de la nudité. Mais c'est ce jour-là qu'il a eu la révélation de la nudité. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Coupe. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ayant cousu des feuilles de figuier. Ayant cousu des feuilles de figuier. Il s'enfuit des ceintures. Il s'enfuit des ceintures. Il prend une ceinture. On met une ceinture là où ça? Est-ce qu'on met une ceinture là sur la bouche? Il s'enfuit des ceintures. Adam dit, ah chérie, ça là, on traînait ça dans la poussière, les cafards, les fourmis jouaient dessus. Je comprends pourquoi il se promenait beaucoup sur la chose. Ça, en tout cas, c'est vraiment agréable. Il faut maintenant sécuriser ma richesse, mon bien, pour que prochainement ça soit au chaud pour moi. Alors il a pris des feuilles de figuier pour mettre ça au chaud. Il a mis ça au chaud. Vous comprenez? Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Oui. Qui parcourait le jardin vers le soir. Il parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face. Si les 16h30 fermes, on va arrêter.
Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Et il répondit. Adam dit quoi? J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. Parce que je suis. Et je me suis caché. Ah bon? Pourquoi tu t'es caché? Et l'éternel Dieu lui dit. L'éternel Dieu lui dit. Qui t'a appris que tu es nu? Mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Quand je t'avais défendu de manger. Vous voyez, Dieu savait très bien que le jour où il allait manger de ce table-là, il allait découvrir l'importance de la nudité. Dieu est un père. Comme tout et chacun de nous s'y a eu un père. Permettez-moi de prendre cet exemple-là. Est-ce que depuis qu'on est né là, nos parents nous ont une fois fait asseoir à Gédéon. Tu es ma fillette. Joséphine, ma fille, viens aussi, tu es ma fillette. Voilà ton grand frère, toi aussi, voici ta petite soeur. Gédéon, faut te déshabiller. Et le vieux va dire, ton truc là fait quelque chose, ça va s'élever, je vais te montrer quelque chose. Et la, le bazooka, il est au serré. Le maguire tête rouge, le plus grand tête, il a toujours la fièvre forte, hein, dans la migraine. Donc sa tête là. Je dis voilà, ce que je voulais c'est arriver. Maintenant dis-moi, est-ce que tu connais le rôle de cela? Il dit non, le vieux, dis-moi. Joséphine, écarte tes jambes. Tu vois, j'ai dit, oh, voici où ça va rentrer. Toi, là où tu es, c'est que tu es là, c'est ça qui va rentrer. Est-ce que nos parents nous ont une fois appris ça? Voilà. Oh, mais pourquoi Dieu qui est le Père, il va se permettre de faire pareille chose? Ça ne peut pas se faire. La chose se découvre seul dans la marche. Et toi qui as découvert la piquette de ta pour toi. Et tu continues. Ça va te marquer chacun ma voix. Alors, chers frères, voici un peu cette histoire-là. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas prononcé directement. Merci bien. Au suivant. Adoration à Jésus. À bas les perroquets, à bas les faux prophètes, à bas les charognards, à bas les chacals du désert, à bas les ouvriers d'iniquité, à bas les pentecôtistes, à bas les baptistes, à bas anabaptistes, à bas l'africanisme, à bas l'européanisme, à bas l'occidentalisme, à bas les traditions archaïques, à bas vive le christianisme révolutionnaire, vive le christianisme révolutionnaire, que la gloire revienne à Jésus. Amen. La question. Bonsoir, monsieur Gédéon. Monsieur, bonsoir. Ok. Ma question, ma préoccupation est que. Allez fort. Allez fort. Je dis ma préoccupation, je n'ai pas un micro ici. Ma préoccupation est que. Voilà, ma préoccupation est que. En vous écoutant, on ne sait pas de quel Dieu, de quel Jésus il faut suivre. Quand on écoute les capouilles, Philippe, on vous écoute, on ne sait plus de quel Jésus qu'on doit suivre. Donc, éclairez-nous de façon propre la vérité sur la religion. On a autre chose. Ok. Comme cet homme qui a cité les noms, les catholiques, Kakou Philippe, tout cela, eux seuls savent de quoi ils parlent. Mais moi, depuis que je suis en train de prêcher, je ne fais que prêcher Jésus-Christ qui est dans la vie. C'est pourquoi les questions qui me sont posées, pour répondre à ces questions, j'ai dû recours aux éléments publics. À vous qui m'avez écouté, c'est à vous de discerner de quel Jésus je parle. Sinon, si moi je te dis que c'est de tel Jésus je parle, est-ce que ça va te convaincre? Tu as pris le temps de m'écouter, d'observer, d'analyser. À toi de faire ton choix. Tu as écouté Kakou Philippe, tu as écouté les catholiques. Tu es suffisamment responsable pour que moi, je te dise, voici le vrai Jésus.
Mais je suis convaincu d'une seule chose, en dehors de ce que je prêche, il n'y a pas de vérité. Amen. Amen. Si c'est le contraire de ce que tu entends là, que tu écoutes ailleurs, sauve ta tête. Voilà. Ok, je suis bien. Okay. Donc cela revient à dire qu'on ne monte jamais son visage avec la main gauche. Ça veut dire que ce que tu as dit, si j'ai bien compris, ce que tu prêches, c'est ça qui est dans la logique. C'est ce que tu viens de dire. Merci bien. Ok. Et maintenant, le Jésus que vous prêchez en ce moment-là, et vous voyez, maintenant, par rapport au Jésus que les autres prêchent là, c'est par rapport à ça que je veux voir la différence un peu. En fait, vous prêchez un Jésus, et toi, je ne sais pas si vous me comprenez, vous prêchez un Jésus qui est normal. Les autres prêchent un Jésus vraiment de façon fabriquée. Voilà, c'est là que je veux parler. Mais toi, prêche ce qui est normal, c'est pas ce dit là. Il a dit que tu es suffisamment responsable pour que, à mon jeune âge, je t'impose quelque chose. Toi-même, tu as pris le temps d'écouter les catholiques. Tu as pris le temps d'écouter Kakou Philippe. Tu as aussi pris le temps de m'écouter. À toi de tirer une conclusion pour prendre une décision. Voilà. Monsieur Sébastien. Parce qu'au jugement dernier, ce que Dieu va te reprocher là, ce n'est pas ce que moi j'ai dit qui va influencer ta vie, mais c'est le choix que toi-même tu dois faire de ta propre volonté, de partir vers toi-même. Voilà. Non, non, non. Monsieur Sébastien. Je ne peux pas vous partir d'ailleurs. Oui, Sébastien. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Il reste 10 minutes, il faut parler rapidement. Nous serons ici demain. Venez un peu tôt demain. Nous serons ici. On va venir ici chaque jour maintenant. Demain férié. Ah, demain férié. Il est fort possible que demain soit férié. Mais pourquoi cette incertitude? Je n'ai pas envie de parler sinon. Il y a le. Bonsoir, monsieur le président de la Révolution chrétienne. Monsieur, bonsoir. Ma première question est la suivante. S'il vous plaît, écoutez la question de monsieur. Est-ce que vous avez dit que le chrétien est sauvé dès qu'il croit et qu'il peut vivre comme il se doit? Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Bon, je m'explique. J'ai dit tous ceux qui croient en l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Qui est d'ailleurs l'authentique évangile du Seigneur Jésus-Christ, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ qui se baptise en son nom de Jésus-Christ, qui reçoit la vie éternelle, est sauvé pour l'éternité. Quel que soit ce qu'il va faire, il est sauvé. Il n'est pas dit qu'il n'a qu'à vivre comme il veut. Parce que si l'homme vit comme il veut, c'est qu'il est Dieu. Parce que là où nous sommes là, ce n'est pas ce que nous voulons qui doit arriver, c'est ce que Dieu veut qui doit arriver. Si moi je dois vivre comme je veux, et Dieu va vouloir que moi je vive comme lui veut, entre ce que Dieu veut et ce que moi je veux là, qu'est-ce qui va s'accomplir? Oh, je reconnais la souveraineté de Dieu sur ma vie. Amen. Donc je vis comme Dieu décide. Personne ne peut vivre comme il veut. Mais vous avez dit, le temps a changé. Non. Vous venez de dire que non. Oui. C'est-à-dire, il doit faire ce qui. Il dit, quel que soit ce qu'il va faire, il est sauvé. Il est sauvé. Parce que Dieu lui a donné la vie éternelle et c'est Dieu qui va diriger ses pas. Si Dieu l'a laissé poser, tel passé que Dieu sait que ça ne va pas lui arracher le salut. Ah bon? Lisons même le passage. Jean 5, verset 24. Jean 5, 24. Attends. Jean 5, 24. Puis Jésus dit. C'est pas moi, écoutons Jésus. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. La Bible dit quoi? À la vie éternelle. Le verbe avoir est conjugué au présent de l'indicatif. Il a à la vie éternelle. Comment tu comprends le mot éternel? Non, éternel ça veut dire quoi? C'est qui demeure à jamais. Maintenant, comment encore on va perdre ça? Parce que la vie est vers de Belair. Lui, il est allé chez Toutou. C'est vous-même qui changez cette affaire. Attendez, attendez. Écoutez. Attendez. C'est vous-même qui changez cette affaire de femme Toutou la suite, c'est comme étant problème. Hein. Sinon, il y a les serviteurs de Dieu de la Bible, ce ne sont pas mariés. Eux, ils ont passé tous les temps dans l'affaire de Tutuya là. Exemple, Samson. Samson s'est jamais marié. Il prenait son temps, bombardé, il frappe en ordre et en. Et l'origine de sa mort est partie des jambes d'une prostituée.
cette célèbre et sucrée, sucrée, Rahab, Delila, c'est de là que c'est parti. Même le Seigneur Jésus, sa grand-mère, arrière grand-mère là, c'est une prostituée du nom de Rahab. Et c'est Josué qui la découvre. De par quelle façon? Que Dieu seul me garde. Ce n'est pas pour ça que Dieu va voir quelqu'un en faire. Ça là, tu as cherché femme, tu avais ça après ta mort là, ça reste ici. Mais ce qui va t'accompagner au tribunal de Dieu là, qu'est-ce que tu as cru de ton vivant? Alors Jésus dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Voilà. Et ne vient plus en jugement. Mais est-ce que c'est moi qui ai forcé Dieu à faire cette promesse? Si lui n'est capable de tenir cette promesse, c'est son problème. Mais il est passé de la mort à la vie. Voilà. Ça là, c'est écrit avant même qu'on ne soit créé. Si c'est à cause de Belay et puis aujourd'hui que Dieu va changer ça là, c'est que Jésus même c'est un plaisantin. Mais notre Seigneur Jésus qui est le véritable. Amen. Pas un plaisantin, ce qu'il a dit le fera certainement. Amen. Si tu as promis la vie éternelle, si tu crois que tu as cette vie éternelle, amen. Il n'est pas un Dieu certain, mais le Dieu de la certitude. Amen. Merci monsieur le président de la révolution. De la révolution. Voilà, ça. Dans le livre de Jacques, ils ont dit à tous ceux qui auront persévéré, ils auront la couronne de Dieu. Donc je veux savoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Passé, c'est un passage. Il n'a pas dit à ceux qui vont persévérer auront la vie éternelle. Mais il a dit couronne là, c'est un trophée. La Ligue des Champions vient d'être jouée tout récemment. Et c'est hier, avant-hier, non, que Liverpool a pris ça. Liverpool a été couronné. Maintenant, est-ce qu'il ne prendrait pas une équipe qui a été éliminée que Barcelone? Le Barcelonien souffrait. Rien n'est acquis d'avance. Rien n'est gagné d'avance. Vous ne serez jamais Dieu. Vous croyez que vous avez tout gagné d'avance. 3 à 0 match aller, 4 à 0 match retour. C'est le plus beau miracle du football auquel j'ai assisté depuis que je suis né. Et c'est le score qui m'a le plus plu et qui m'a beaucoup reçu dans mon salon ce jour-là. Merci beaucoup à Origi. Il a bien joué. Le nain, comment, je ne peux pas comprendre comment les gens qui ont une belle taille lancée comme ça, vous supportez quelqu'un qui a taille comme ça. Vous comparez un chef de gang, lui le chef d'un club, à un brave qui fait le tour du monde. Arrêtez de faire ce genre de comparaison, s'il vous plaît. Bon ben, je reviens. Merci bien. Ok. D'accord, j'ai compris, tu m'as plus regardé. Ça, c'est Kabou Philippe qui a dit ça. Ok, regardez maintenant. Vous voyez ces équipes qui sont éliminées. Ces joueurs qui ont été éliminés. Est-ce qu'ils cessent, ces joueurs-là cessent d'être footballeurs? Ils sont tous footballeurs. Ils n'ont pas été couronnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été disqualifiés. Donc la Bible exhorte le chrétien à persévérer, non pas pour l'acquisition de la vie éternelle, mais pour l'acquisition des couronnes. Des récompenses. Tu comprends, non? Des récompenses. Ils ont même des passages pour ça. Oui, oui, ceux qui courent dans le sac. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Oui. Ne savez-vous pas que? Que ceux qui courent dans le stade. Que ceux qui courent dans le stade. Courent tous. Et au lieu. Mais qu'un seul rapporte le prix. Qu'un seul rapporte le prix. Courez de manière à le remporter. Regardez l'exemple que l'homme de Dieu prend. Ça veut dire que parmi nous tous les chrétiens, si la course est considérée comme l'acquisition de la vie éternelle, ça veut dire que parmi les milliers de chrétiens qui courent là, il y a un seul qui va avoir la vie éternelle. Non, ne comprenez pas comme ça. Ne comprenez pas comme ça. Mais il s'agit d'une affaire de motiver la masse chrétienne à travailler avec zèle pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir des récompenses quand le Seigneur viendra régner. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec cette foi d'aller en affaires ou ne pas aller en affaires. Regardez que l'exhortation est adressée aux chrétiens, mais non pas aux païens. Il n'est pas demandé aux chrétiens de marcher, de persévérer pour avoir les récompenses. Non. Mais il a demandé aux chrétiens de persévérer pour avoir des récompenses. Non, c'est le chrétien qui est récompensé, mais le chrétien, lui, doit être évangélisé. Le païen, plutôt, doit être évangélisé. Oui. Tous ceux qui combattent. Tous ceux qui combattent. C'est un point tout simple d'abstinence. Ils s'abstiennent de beaucoup de choses. Et ils le font. Et ils le font. Pour obtenir une couronne corruptible. Pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, les chrétiens. Faisons-le. Pour une couronne incorruptible. Pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours. Vous voyez, Paul lui-même se met dedans. Ça veut dire que
Si c'est la problématique du salut de la vie éternelle, c'est que Paul lui-même n'a pas encore la vie éternelle. Il n'est pas encore sauvé. Vous voyez? Ouais, il dit dans Tite chapitre 1. Moi donc je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Pas dans le billard. Mais je traite durement mon corps. Durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Pour avoir la vie éternelle. De peur d'être moi-même rejeté. Barcelone pensait que tout était gagné d'avance. Et Barcelone a été rejeté de la Ligue des Champions. C'est tout. Moi je vois. Alors, titre 3, 4 en 5. Hein? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur. Et son amour pour les hommes a été manifesté. Et son amour pour les hommes a été manifesté. Dieu nous a sauvés. Psaume 89 à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Dieu nous a sauvés. Lorsque la bonté de notre Dieu et son amour pour les hommes a été manifesté. Il nous a sauvés. Notre Dieu nous a sauvés. Nous à cause des œuvres de justice. Nous à cause des œuvres de justice. Que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Dans le renouvellement de l'esprit. Il nous a sauvés par plus grâce. Amen. Oui. Psaume 89, 30 à 34. Oui. Si mes fils n'ont pas donné ma loi. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu décolle. Dans la société même, ton propre enfant. Peut te connaître, ça arrive. Mais c'est pas parce que ton enfant te connaît qu'il n'est plus ton enfant, il va devenir l'enfant de l'autre. Il y a des gens qui sont chrétiens aujourd'hui, ça ils se comportent mal, ils sont plus chrétiens, ils sont diables. Si ils se comportent bien, ils redeviennent chrétiens. Au point qu'il y a certains qui disent, j'ai chuté, j'étais chrétien avant, maintenant je ne suis plus chrétien. Tu es un simple païen. Il dit, j'ai rétrogradé, tu es un bâtard spirituel. À bas la rétrograde. Crois qu'il se trouve à l'auto-école. Oui frère. Si mes fils abandonnent ma loi. Et ne marchent pas selon mes ordonnances. S'ils violent mes préceptes. Et n'observent pas mes commandements. Je punirai de la verge. Leur transgression. Et par des coups. Leurs iniquités. Mais dans tout cela, je ne leur retirerai point ma bonté. Sur le salut qu'il a donné, il n'a pas jamais retiré ça. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Il a promis nous sauver pour l'éternité. Il nous a sauvés pour où? L'éternité. Car j'ai juré une fois par ma sainteté. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. Tous ceux qui sont intéressés par ce message et qui voulaient bien prendre leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et aussi communier avec nous dans la foi chrétienne, nous vous invitons à partager les contacts.